Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Sylvain. Salut. Bienvenue donc dans cette session masterclass en live sur Adobe France, sur la chaîne YouTube Adobe France. Nous sommes en direct aujourd'hui parce que nous profitons de la venue de Sylvain sur la conférence IA Mag, les IA MC 2018, où tu interviens. Oui, demain, ouais. Après-midi. Et qu'est-ce que tu vas présenter demain après-midi sur IA Mag? Je vais parler de l'amorce de la création du jeu vidéo que je suis en train de produire avec mon tout nouveau studio. Mm-hmm. Le studio s'appelle Umeshu Lovers et on est en train de créer le jeu Forest of Liars. On D'accord. peut déjà découvrir quelques premières images sur forestofliars.com. Et je vais parler de quel a été le démarrage artistique et créatif sur ce projet. D'accord. Comment sont venues les idées et comment on a constitué l'équipe. Et surtout, également d'un point de vue visuel, c'est-à-dire qu'on est quand même à la recherche de l'effet eye candy pour notre jeu. Mm-hmm. Visuellement, c'est-à-dire on essaie d'avoir un visuel assez séduisant, un minimum contemplatif, et surtout on essaie de sortir un petit peu des codes classiques du jeu vidéo, de faire un jeu avec le moins d'interface possible et un maximum d'interprétation au joueur pour pouvoir interpréter l'univers, enfin quelque chose de très visuel. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on arrive à rapprocher ton jeu vidéo d'un truc connu ou pas du tout? Alors ça dépend, sur l'ambiance on pourrait s'amuser à essayer de rapprocher ça de certains univers de Miyazaki, mais nous on va quand même essayer d'avoir une démarche un poil plus occidentale, plutôt méditerranéenne dans les environnements. Mm-hmm. Et surtout au niveau du sujet, je suis obligé de garder la surprise, mm-hmm. mais c'est-à-dire qu'on va être sur un scénario qui va vraiment dans d'autres directions que le classique écologique, contemplation forêt, traditionnel mm-hmm. à l'animation japonaise. Et sur le cœur du jeu, c'est l'élément le plus difficile à expliquer parce qu'on est parti sur un concept très très simple où en fait ça va être un jeu d'aventure avec quasiment sans interface où la plupart des choses va se reposer sur le dialogue et la rencontre des personnages. Et donc si on essaie de faire court, on peut penser au jeu Règne justement qui arrive à faire une espèce de génération de scénarios aléatoires. Sur cette base, en fait, sur un système de jeu très très simple, tout en ayant une richesse et une profondeur narrative qui va vraiment très loin. Appuie une fois. Pardon, désolé, on vous coupe la clim juste pour que vous ayez moins de bruit. D'accord, donc effectivement, du assez novateur, assez frais dans l'idée. Ouais, c'est une petite prise de risque hein, de ce côté-là, ouais. Mais on est quand même sur quelque chose en fait qui va nous permettre au niveau de la production de faire quelque chose d'assez simple. On va pas se lancer dans un development hell qui est souvent classique aux jeux vidéo indépendants, où c'est-à-dire on a vu un peu trop loin. Donc justement, on se sert des contraintes, on se sert des limites pour être plus créatif. C'est-à-dire avec le peu qu'on a, on essaie de faire le mieux possible et pas justement essayer d'aller sur des terrains qu'on ne maîtrise absolument pas. Ok. Je pense qu'on viendra au jeu un petit peu plus tard. J'aurais bien fait un petit tour sur ton portfolio, donc c'est sur ArtStation, toad.artstation.com. Jusqu'où j'ai le droit de remonter? De toute façon, tout ce que j'ai sur mon portfolio est censé être visible, hein, s'il n'y a pas de clause de non-divulgation. Non, je pense surtout, genre, bah tiens, là c'était il y a 8 ans et j'assume plus du tout. Non, généralement, ce que j'assume plus, je le retire ou ça traîne encore sur DeviantArt, dans des recoins cachés, dans des dossiers. Je laisse quand même accessible parce que c'est quand même aussi intéressant pour les gens qui. Pas forcément des directeurs artistiques, mais plutôt pour des étudiants, de voir que je ne suis pas sorti de l'école en ayant ce bagage visuel-là, en fait. Ouais. Hein, c'est-à-dire, tout ça, ça a été de la recherche, du tâtonnement, surtout que je ne me suis pas tout de suite spécialisé vers les décors, les environnements. Mm-hmm. Quant aux couleurs, j'ai toujours trimballé des couleurs assez vite, parce que j'ai toujours eu des influences très dessin animé des années 80. Ouais. Mais oui, c'est-à-dire qu'avant, c'est-à-dire que là, la plupart de mes illustrations qu'on peut voir sur mon portfolio sont tous dans le style un peu made painting, digital painting, alors qu'avant j'avais une approche beaucoup plus bande dessinée. Mm-hmm. Je dessinais au trait, j'avais surtout parce que aussi je venais du traditionnel de toute façon, comme ouais. beaucoup de gens. Et j'ai découvert la peinture numérique progressivement, en l'expérimentant, en la manipulant.
Et je me suis rendu compte que maintenant, cérébralement, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup plus dans ma logique personnelle, en tout cas, et ma démarche artistique, c'est-à-dire de voir les illustrations plus comme de la sculpture et de la pâte à modeler, c'est-à-dire j'ajoute des masses et j'en retire. Et moi, je fais partie des gens qui a besoin du droit à l'erreur. Je suis pas quelqu'un qui va dans la précision. Je balance des formes, je balance des couleurs et je les remélange, je retaille dedans, un peu comme quand on fait justement du modelage et de la pâte à modeler. Peut-être aussi parce que ça vient de mes initiations aussi à la 3D, où j'ai un peu mélangé tous ces principes. Mais c'est-à-dire que je pourrais jamais démarrer un ancrage parfait, comme le font certains dessinateurs très talentueux. J'ai besoin vraiment de ce droit à l'erreur et à la manipulation. Quand on voit, je ne me rappelle plus le nom de ce dessinateur coréen, Kim Celui Jong-ji. qui fait des trucs gigantesques Ouais, en noir et c'est blanc. ça, ouais, lors des festivals de bande dessinée, ce genre de choses, qui lui a déjà dans sa tête clairement ce qu'il va dessiner, ou alors même s'il l'improvise au fur et à mesure, je ne connais pas exactement son schéma mental par rapport à ça, mais moi j'en suis totalement incapable. C'est-à-dire j'ai besoin d'un rapport à la référence, à l'observation et au test, surtout à essayer de mélanger, à diluer des choses, à expérimenter. Pour la plupart de mes projets personnels, quand je démarre des illustrations, c'est un peu comme si je lançais des dés en fait, et j'attends d'avoir une valeur intéressante en testant, en bougeant les formes. De toute façon, ça je vais le montrer dans les minutes qui viennent. Mais c'est-à-dire, je fais partie de ces dessinateurs qui construisent à partir de l'accident en fait. C'est-à-dire, je teste des formes et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je le poursuis en fait. Très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, on est en train de faire un grand tour sur ton portfolio. J'espère que ça vous plaît plutôt pas mal et vu qu'il y a pas mal de choses à voir dans tous les sens. Et ce que je trouve assez intéressant, alors je sais pas si c'est la norme chez ArtStation, c'est que tu mettes le temps passé sur chaque boulot. Je passe pas tout mon temps sur ArtStation. Donc. Parce qu'à chaque fois, tu mets, ouais, là c'est 5 heures de travail, 10 heures de travail. Je trouve ça assez cool, justement, parce que je sais qu'il y a toujours une demande en fait des gens. Quand ils rencontrent un illustrateur, c'est genre, mais ce truc-là, t'as passé combien de temps? Est-ce que tu comptes juste le temps que t'as passé sur la tablette? Ou est-ce que tu comptes ton temps de croquis? Est-ce que tu comptes. Non, je compte le temps de croquis et tout, mais alors des fois justement il y a des illustrations, les gens, il y en a certaines où j'arrive à les faire en 2 heures, d'autres des fois juste en une après-midi. Faut savoir que la plupart du temps, les illustrations qui sont vraiment exécutées très rapidement, c'est des illustrations qui sont dans le cadre souvent de plus de projets personnels, c'est-à-dire je sais où je vais, je ne suis pas en train de répondre à la demande d'une direction artistique ou alors de me greffer à un projet. C'est pour ça que déjà que ça va être beaucoup plus rapide, parce que je sais à peu près dans la direction où je vais. Et surtout, j'expérimente. Et la plupart du temps, quand on part sur une feuille blanche sans savoir où on va et en testant les choses, au niveau de l'esprit, on est beaucoup plus lâché. C'est-à-dire, on arrive avec quelque chose, en fait, involontairement créatif. C'est-à-dire, on ne sait pas trop où on va, on n'essaie pas trop de se forcer, on n'est pas en train de stresser, en train de se dire ça va être une image qui va servir pour une couverture de roman ou pour une jaquette. Je ne suis pas en train d'angoisser sur le résultat final parce que je suis juste en train d'essayer. Et c'est un peu ce que doivent ressentir beaucoup d'illustrateurs traditionnels quand ils font juste du croquis dans la nature, où ils ont l'impression de produire des choses beaucoup plus intéressantes que quand ils essayent de s'y mettre très sérieusement. Et c'est ce rapport à la pression personnelle qu'on se met qui fait que des fois les choses vont beaucoup plus vite et aussi sont des éléments déclencheurs pour aller très rapidement à l'essentiel. Après, de façon générale, d'un point de vue philosophique, au niveau de mes illustrations, enfin je sais pas si c'est philosophique, c'est aussi technique et artistique, j'essaye de jouer sur le fait qu'on croit que mes illustrations sont super détaillées. C'est-à-dire qu'en fait, je vais concentrer du détail à un endroit et je vais être beaucoup plus léger à d'autres endroits. Ça va être vraiment croqué complètement à l'arrache. Mais par exemple, dans les images que tu vois au niveau du background, tout ce qu'il y a autour est là uniquement comme faire valoir de certains détails De ce que très t'as poussés, en fait. détaillé, Ouais, hein. voilà. Et donc les gens ont l'impression de voir quelque chose d'homogène, d'un point de vue homogène uniquement poussé et développé, mais si ils s'attardent vraiment sur certaines zones, ils vont se rendre compte qu'en fait tout ça c'est de la suggestion. Faut agir un petit peu comme un, pas comme un magicien, mais plutôt comme un illusionniste qui essaye de, De focaliser ouais, l'attention. l'attention sur Tu quelque chose focalises sur un de très détail détaillé. et du coup tu oublies ce qu'il y a autour. Exactement. Et Mais des fois c'est pas seulement du à détail ou de la texture, ça va être une couleur, une tache de couleur. Par exemple, si tu peins une belle illustration sur la banquise et que tu es quand même, t'as pas envie de trop pousser et de trop perdre de temps à peindre exactement les bouts de glace qu'il y a derrière, tu vas faire un élément, je sais pas, par exemple un explorateur perdu, mais qui aura une parka vert fluo ou rouge fluo. Ça va tellement attirer l'œil qu'on va en oublier le reste. Et lui, s'il est assez détaillé avec en plus une silhouette très marquée, pas trop douce, et vraiment avec des angles très forts qui nous permettent de contraster avec le reste, ça va faire illusion. D'accord. Ouais, ça c'est super parce que du coup ça nous permet d'avoir plein de petits conseils au fur et à mesure sur la comprendre un peu la manière dont tu fonctionnes. Je pense aussi que ça permet à pas mal de gens de se poser sur des dessins
Alors que parfois, quand tu feuillettes un artbook, tu regardes, tu dis, bon, bah voilà, j'ai regardé tout, et puis on avance, on a vu de quoi ça, à quoi ça ressemblait de loin, et on prend pas forcément le temps de Ouais, de vraiment. regarder comment ça a été pratiqué. Et il faut savoir que même à la Renaissance, ils essayaient aussi de penser en rapport de productivité avec le sfumato, par exemple, où ils tamponnaient vraiment à certains endroits, puis ils revenaient concentrer en détail à d'autres, de façon à ce qu'on ait vraiment un rythme dans l'image entre zone simple, zone compliquée, zone d'aplat, zone de nuance, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est ce rythme qui crée le rapport organique et réaliste d'une image, en fait. Parce que de toute façon, quand on regarde quelque chose avec nos yeux, on fait la focale sur quelque chose. C'est On ça. n'est pas en train d'observer tous les détails en même temps. C'est-à-dire, si on regarde un clavier, on regarde une touche précisément. Et c'est un peu de la même façon qu'il faut penser une image. Ça sert à rien de faire tous les petits détails d'une côte de maille, d'un chevalier, si on se concentre sur son regard, qui lui va peut-être avoir une force précise, ou alors simplement l'éclat de son épée. Faut vraiment penser de cette manière-là. C'est très utilisé dans la bande dessinée, justement, et également dans le cinéma. De toute façon, c'est pas pour rien que généralement les réalisateurs utilisent des flou de focale ou ce genre de choses. Et voilà, ça nous permet de garder du temps et de se concentrer des fois sur un plan qui va être, on va dire, un peu plus money shot, où on va se concentrer sur une surcharge de détails pour ensuite revenir vers quelque chose de plus simple où on respire. Alors que si on veut toujours envoyer le meilleur et de la surcharge et de la performance totale, déjà l'image elle devient sportive, ce qui peut être intéressant techniquement hein, pour certains studios par rapport à des rapports de production, mais pas forcément artistiques. Mais par contre, on habitue l'œil justement à cette surcharge, et au final, plus rien n'est mis en avant. Ouais, c'est être capable de gérer une cohérence, un équilibre, surtout sur le dessin et de guider l'œil. C'est C'est ça. là où tu es à la fois illustrateur mais directeur artistique de ton image. Ouais, et c'est en fait, je dis souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un excellent technicien ou un très bon dessinateur pour réussir dans l'industrie. Le plus important, c'est d'avoir une illustration qui est lisible et qui parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous transmet immédiatement dans les 2 secondes d'observation? Et plus on arrive à comprendre l'image rapidement, plus elle est fonctionnelle, plus elle est intéressante. Quel que soit ce qu'on puisse en dire, si elle est belle ou pas belle. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'auteurs de bande dessinée qui ont des fois des dessins très lâchés et très simples que certains auteurs ou d'autres ont critiqué. Mais néanmoins, du moment que la narration fonctionne, du moment que ça nous raconte quelque chose, c'est OK. Tout le reste, c'est un peu du surplus. C'est du Ouais. bonus, c'est en mieux, de toute façon. D'accord, c'est super. Je regarde un petit peu dans le chat aussi au fur et à mesure avec les gens qui nous suivent, donc ça discute un petit peu. Tout le monde a l'air de trouver ça passionnant, c'est plutôt une bonne chose. Il y a Yojimbe, je sais pas si tu le connais, qui dit, c'est marrant ça, je pensais vraiment que Sylvain travaillait de façon très précise et calculée. Donc ça. Alors, c'est marrant parce que c'est intéressant comme point de vue parce que j'ai un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je vais produire des illustrations justement où ça va être très calculé à l'avance et c'est souvent quand je vais partir avec des bases 3D. Quand je vais avoir une composition avec énormément d'architecture, telle que par exemple cette illustration que j'ai réalisée pour Far Cry, là justement ça va être un peu calculé à l'avance, c'est-à-dire que je vais réfléchir à tout ce que je vais devoir designer en 3D, parce que ce sera beaucoup plus simple à placer dans une perspective, et tout ce qui pourra être pensé plus tard. Et tout ce qui pourrait être rajouté en 2D de façon à ce que je m'embête pas sur des bases 3D trop lourdes. Par exemple, là, le personnage qu'on voit, en fait, c'est simplement une de mes colocs quand j'étais en Angleterre que j'ai pris en photo dans la position. Elle ne lui ressemble absolument pas parce que de toute façon, il fallait que je cale avec la direction artistique du projet en cours de Far Cry. Mais s'il y a de la stratégie dans la production d'une illustration, c'est pas forcément artistique, c'est plus pour me faciliter la tâche. Je suis un gros feignant, malgré le fait que j'ai un portfolio assez rempli, c'est-à-dire j'aime pas du tout me prendre la tête sur du petit détail. Donc si j'ai de l'architecture très complexe d'un temple ou ce genre de choses, je vais faire un pattern de motifs, deux, trois, et je vais les répéter. Et ensuite tout ça, je vais leur redonner vie, je vais les faire ça en 3D, et ensuite je vais redonner vie et éviter la froideur en 3D avec une surcouche sur Photoshop, du paint over, et mélange, Ça, réglage de couleurs, refaire un peu les lumières, donner un peu plus de forme picturale à tout ça, plutôt que chercher le réalisme de façon absolue. Mais surtout par exemple pour le projet Forest of Liars, j'ai décidé de me dédier à une pratique du dessin qui est beaucoup plus orientée vers l'accident. C'est-à-dire je démarre mes compositions sans trop savoir où ça va. Et fur et à mesure, elles vont se créer d'elles-mêmes à force de les manipuler, de les sculpter.
Je me fais un peu plaisir aussi sur Forest of Liars, c'est ce qui fait aussi peut-être que les illustrations fonctionnent, c'est que justement je me fais énormément plaisir dessus. Je laisse les choses arriver d'elles-mêmes, j'essaye d'orienter les couleurs, les ambiances, ce genre de choses. Alors que quand je travaille pour des gros studios ou des jeux vidéo où il y a vraiment une direction artistique qui a été définie avant même que j'arrive, ou quand je me greffe à une licence existante, je vais peut-être être plus stratégique, prévoir les choses avec plein de coups d'avance, mais par le biais d'emmagasiner des références, d'être sûr des proportions de certaines choses, des références architecturales et ce genre de choses. Mais il est clair que quand on me demande une illustration où ça a quasiment déjà été storyboardé, découpé et prévu, j'ai beaucoup plus de mal et je vais mettre beaucoup plus de temps parce qu'en fait j'ai ce manque de liberté et avancer sous la contrainte. Ouais, exactement. En plus, quand c'est un cadre que toi tu ne t'es pas fixé. C'est ça. C'est-à-dire que souvent on dit qu'on travaille mieux sous la contrainte, mais ça dépend quel type de contrainte on te donne au départ et si c'est quelque chose que tu acceptes, que tu es capable de prendre sur toi. En fait. Oui, après il y a des univers qui nous laissent plus ou moins de marge, et c'est aussi pour ça que moi je me suis orienté vers le concept art d'environnement. Déjà, c'est un métier quand même qui est très difficilement accessible, mais une fois qu'on y est, c'est quand même un métier qui est un minimum confortable pour un illustrateur. Parce que on n'est que dans les premières ébauches et on fait pas partie de ceux qui vont devoir nettoyer les derniers détails en fait. C'est-à-dire que moi j'ai énormément d'admiration pour tous les techniciens 3D, tous les texture artistes qui eux font un travail vraiment de détail et de précision. Après ça dépend du caractère de chacun. Moi je suis quelqu'un qui a vraiment des problèmes de patience. J'ai besoin d'avancer très vite alors que d'autres ont besoin de bosser dessus un peu comme c'est-à-dire ils ont besoin justement d'une tranquillité un peu comme enfin de savoir où ils vont de façon précise parce qu'ils ont des directions artistiques très fortes, donc fabriquer une texture avec tel UV, tout ça bien déplié, donc c'est-à-dire que ça leur est utile d'un point de vue aussi du repos mental par rapport à ça. Alors que moi j'ai besoin d'un peu plus de chaos en fait dans ma façon de travailler, même si c'est un peu désorganisé des fois. Donc moi, je fais des choses qui sont pas terminées. C'est des choses que les gens vont venir réinterpréter un petit peu à leur sauce. Néanmoins, j'essaie de faire en sorte à ce que tout le monde puisse le réinterpréter. Parce que travailler d'un concept artiste, c'est pas d'imposer une vision qui n'est manipulable que par une dizaine de personnes, mais plus par toute l'équipe d'un projet. En fait. Toute l'équipe d'un projet, donc des gens qui vont être capables de s'en servir un peu comme d'une bible graphique sur laquelle ils vont se dire ah, « Tiens, oui, c'est vrai qu'il y avait cette ambiance couleur, il y avait tel type d'éléments qu'on peut développer, qu'on peut dupliquer, rajouter des objets. » Alors que tu fais du concept art pour du jeu vidéo, pour du film, pour... Alors, jeux vidéo et cinéma, essentiellement. J'en ai déjà fait un petit peu pour la publicité. Généralement, quand c'est pour la publicité, ça se rapproche du cinéma d'animation parce que c'est souvent pour des petits films d'animation 3D colorés ou en stop motion. J'ai aucune mission qui est identique, j'ai aucun temps de travail qui est identique sur une image parce que tout dépend, y a énormément de facteurs qui varient sur tout ça. Les gens me demandent combien je facture une illustration, je dis toujours que j'ai vraiment besoin de connaître le brief du projet et aussi d'interagir un minimum avec le directeur artistique pour savoir si on est avec quelqu'un qui a une vision extrêmement tranchée et précise ou alors si c'est quelqu'un qui me laisse de nombreuses cartes d'interprétation. Il y a des directeurs artistiques qui ont déjà tout en tête, ce qui est pas plus mal, mais il y a aussi des directeurs artistiques qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur fasse des propositions, et c'est tout aussi intéressant. C'est aussi intéressant mais sur un taf complètement différent, parce que ça veut dire que tu vas peut-être faire plus de petites propositions un peu lâchées pour pouvoir le cibler, pour pouvoir avancer au fur et à mesure jusqu'à Et ça justement ça va dépendre du budget de la compagnie. J'ai bossé avec des très gros studios, je vais pas m'amuser à tous les citer parce que je sais qu'ils font gaffe au name dropping de façon générale sur internet, beaucoup de gens imaginent des fois les gros studios comme des machines qui compriment la créativité, alors que des fois justement quand il y a un assez gros budget on peut se permettre le temps de 1 an de réflexion artistique en explorant des tas de pistes, c'est-à-dire on a du temps, pas du temps pour glander, mais c'est-à-dire on a du temps pour réfléchir et aller chercher énormément de choses. Et des fois il m'est arrivé de passer des matinées entières sans dessiner, juste à explorer des mondes visuels sur Google Images, sur Pinterest, ce genre de choses. Et là on est dans un vrai confort, ça c'est vraiment la situation la plus plaisante pour un concept artiste, c'est-à-dire on a le droit à l'erreur, on n'est pas dans du matériel de production, donc c'est pas quelque chose qui va être mis à la poubelle. Après c'est des fois mis un peu à la poubelle dans notre ego parce que des choses ne seront jamais publiées ou ne seront jamais retenues pour le projet, mais au moins on peut se faire plaisir à explorer de nombreuses pistes.
Ok. Il y a pas mal de questions là dans le chat. Notamment, bah, les premiers nous disaient ça aide finalement pas mal d'avoir des bases en 3D. Bravo pour la fainéantise, ça leur plaît à tous. Je crois que ça parle à tout le monde ça. Mais il y a Cyril qui nous dit, tiens, quand tu dis 3D, est-ce que tu veux dire créer des objets sur un logiciel puis les importer dans Photoshop, hein, Alors bah, on va prendre un exemple. Tiens, par exemple, tu peux descendre sur cette image-là. Celle-ci ? Ouais. Ça, c'est une illustration que j'ai réalisée lors de justement d'une masterclass chez Yamag. Mmh. Par exemple, sur cette image, il y a une base 3D, mais simplement pour les anneaux en pierre. Alors, déjà, pour la perspective, même si je pense que j'aurais pu le peindre de tête sans aucun souci, mais c'est simplement, en fait, je voulais expérimenter des formes, des vieilles sculptures, des vieilles ruines, et savoir comment ça pouvait se disposer de façon la plus intéressante possible. Et le fait de les manipuler en 3D avec la profondeur et changer l'angle de caméra, tout de suite, ça m'a permis de réfléchir la composition d'une image très rapidement, plutôt que d'essayer de croquer 10 fois, 30 fois différents placements, différentes perspectives par rapport à ces éléments. Ensuite, là-dessus, j'ai fait un rendu assez sommaire, juste pour savoir comment la lumière était prise dessus. C'est, j'avais juste les blocs que tu vois en pierre. Les grosses pierres, ouais, sur le côté. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'était tout en couleur, en aplat, en fait, avec un léger volume dessus. Mmh. Et je suis venu repeindre toute la végétation, toute la vie, toute l'énergie, les textures dedans. Je fais jamais les textures en 3D. C'est-à-dire, je me sers de la 3D uniquement vraiment comme de la pâte à modeler sur laquelle je prendrai ensuite une photo. C'est-à-dire, je vais rajouter tout par-dessus. Des fois, ça me sert pour quand même réfléchir à mes couleurs malgré tout. C'est jamais les couleurs définitives. Et par exemple, je vais faire un test dans un cadrage, dans une ruelle blanche, et d'un coup je vais mettre un mur rouge, et d'un coup je vais me rendre compte que c'est quand même très intéressant, plutôt que d'essayer de repeindre le mur plusieurs fois sur Photoshop. Voilà, je vais les shaders sur Maya sont quand même assez intéressants justement pour rapidement changer la couleur d'une masse ou d'une forme. C'est vraiment, il y a ça quelque chose de très complémentaire avec la 2D, hein, la 3D, la 2D, ouais, pour un illustrateur. Tu restes sur la direction de la lumière, en fait. La lumière, la couleur, ouais. Et comment les éléments réagissent entre eux, en fait. C'est super intéressant. Je vais pas très loin dans le rendu de la lumière en 3D généralement, parce que de toute façon, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais avec le calque overlay, on peut clairement repeindre de la lumière sur Photoshop de façon assez rapide et assez facile, recréer des ambiances. Mais ouais, de façon générale, c'est alors peut-être qu'on peut revenir en arrière sur le portfolio. Bien sûr. Ça c'est une base seulement créative de la 3D. Par contre, après, sur les bases un peu plus contraignantes, tu peux remonter. Tiens, voilà, la vue sur le Capitole de Toulouse. Alors ça, c'est une illustration qui m'a été commandée par le Muséum de Toulouse pour une expo imaginant Toulouse sous un froid glaciaire, en fait. C'est pour une exposition scientifique. Et là, en fait, le Capitole, là, toute la zone architecturale que vous voyez, est en 3D. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus simple à produire juste un pan de mur et de le répéter une trentaine de fois, et ensuite de le mettre en perspective. Et surtout, je peux me balader dans ma scène comme avec un drone, et je peux prendre des points de vue qui sont absolument impossibles à trouver en référence photo. Alors, on peut s'amuser des fois sur Google Maps, hein, mais là, clairement, c'est moi qui ai créé le point de vue, je ne suis pas dépendant d'un photographe par rapport à tout ça. Alors que la neige, tous les détails, tout ce qui est organique, vivant, tout ce qui est pas rose. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ce qui est pas rose dans Toulouse, c'est toi qui l'as rajouté. Exactement, voilà. Après, voilà, j'ai retravaillé les lumières, j'ai abîmé les fenêtres, je redonne de la vie dans tout ça, j'ai peint la neige sur les tuiles, là, j'avais pas d'intérêt à faire les tuiles en 3D, par exemple, ça aurait été trop de travail. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça me permet d'avoir un choix d'angle de cadrage qui est vraiment très intéressant. Je pense que beaucoup de cinéastes rêveraient d'avoir une caméra volante pour pouvoir prendre les points de vue qu'ils veulent pendant les films, en fait. Alors on commence à voir ça, parce que j'ai vu passer hier Google Maps API qui débarque, où Google Maps, Google propose des API pour intégrer dans du jeu vidéo directement les cartes existantes, ah ouais, avec tout ce qu'ils ont modelé. Il n'y a plus qu'à rajouter, enfin il n'y a plus qu'à rajouter du shader dessus, quoi. Je sais que c'est du modelage, enfin c'est scanné, je sais pas de quelle façon. C'est brutal, ouais. Mais ouais, ça doit pas être c'est pas ce qu'on a envie d'explorer dans Assassin's Creed, à mon avis, je pense. Non, tout à fait. Et puis le moment où j'ai vu ça, en plus, j'étais juste à Versailles devant le quartier qu'ils avaient complètement récupéré autour du château et tout, donc c'était. Ça tombait à point. Alors, il y a pas mal de questions qui continuent de voir. Donc, tout le monde se pose la question sur l'outil, la 3D, etc. Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais est-ce que tu pourrais nous montrer, partager ton expérience,
comme tu le fais actuellement, mais sur le concept art. Qu'est-ce que tu vas présenter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas dessiner? Alors aujourd'hui, comme on n'a quand même pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous montrer une modélisation de A à Z, puis un rendu, puis un travail de photobashing par-dessus, puis peinture, et ainsi de suite. Je vais partir sur quelque chose qui me permet de tomber des concepts très très rapidement. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est généralement c'est un mélange de from scratch, de peinture, et de références photos, voire de silhouettes. Que ce soit avec des formes prédéfinies vectorielles de Photoshop ou alors avec les brosses. Par contre, clairement, je vais m'orienter vers quelque chose, vers une production un peu plus organique d'une image. Mmh. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dans des détails architecturaux très sophistiqués. Néanmoins, on peut quand même réussir à sortir des choses intéressantes à partir de photos. Donc, je vais peut-être démarrer dès maintenant, si on veut s'espérer avoir une image un minimum poussée, au moins dans les 2 heures qui viennent. Je nous emmène sur ton écran. Pourquoi je suis sur cet écran-là? Tiens, c'est très rigolo. Tu me dis dès que c'est prêt. Non, c'est pas prêt, parce que visiblement, il n'a pas décidé de se mettre en recopie. Désolé, tout le monde. On était pas mal, on n'était pas très loin. J'avais bien les deux écrans. Les aléas du direct. Et est-ce que je vais réussir à faire le 2 et le 3 l'un sur l'autre? Bon, en attendant, je vais meubler. Ouais, je veux bien. Alors, il n'y aurait pas une question sur le chat? Si, si, alors des questions sur le chat, allez-y. Le temps qu'on arrive à retrouver le bon écran. Dupliquer le bureau sur 1 et 3. Dupliquer tout, afficher uniquement sur 1. Étendre le bureau sur 1 et 3. Est-ce que je pourrais avoir le bureau uniquement sur le 2 et le 3? Ça, ce serait vachement bien. Est-ce qu'il y a des questions qui sont passées sur le chat en attendant? Alors, si t'es pas professionnel de tous les softs 3D, Autodesk te fait une gratuite en licence étudiant. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme question encore? Quel outil de 3D tu utilises du coup? Vas-y, détaille-nous un petit peu ça 2 minutes. Alors moi j'utilise Maya, non pas parce que je préfère Maya, mais parce que j'ai été formé dessus pendant mon école de cinéma d'animation. Après, de façon générale, j'ai quand même expérimenté Max. Je suis pas trop fan de l'interface. Mais pour un concept artiste, je pense que on peut déjà démarrer, c'est-à-dire même si on n'a pas accès à une formation professionnelle assez poussée d'un logiciel. Déjà, rien qu'avec, par exemple, des très petits logiciels de modélisation 3D assez primitifs, comme je sais plus celui de Google, comme SketchUp, on peut déjà réussir à se construire en fait des formes, des piliers, des grandes structures qu'on peut répéter à l'infini. Et déjà, au moins, on peut avoir une base de perspective très utile, voire tenter un rendu avec quelques ombres. Ça peut être super intéressant. Et même dans le pire des cas, si on a vraiment du mal avec la 3D, il y a aussi la solution de prendre des photos de maquettes, en fait, en papier, par exemple, ou de sculpter dans du polystyrène, juste pour se donner une base, même pas forcément pour quelque chose de très compliqué, mais au moins pour mettre les choses en perspective et observer comment la lumière fonctionne quand on éclaire de la lumière dessus. Alors, excusez-moi, l'exercice est assez périlleux, j'essaye de commenter tout ça en regardant les gens qui branchent des câbles à côté de moi. Au niveau de la 3D, dans tous les cas, moi je suis pas du tout un expert. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me conseillent de m'essayer à ZBrush ou à tout ce qui est modélisation, on va dire, qui n'est pas Art Surface en fait, tout ce qui est personnage, rocher, enfin texture très, très précise. C'est clairement quelque chose qui me manque, mais j'ai pas l'impression d'en avoir absolument la nécessité par rapport au fait que j'arrive vraiment à rattraper tout ça en 2D. Après voilà, moi je suis pas un technicien qui produit des éléments de production dans un jeu vidéo, je vais pas produire des assets. Si j'en produis, ce sera seulement des backgrounds ou des made painting pour un film, mais jamais un personnage modélisé de A à Z avec son grain de peau ou ce genre de choses. Dans tous les cas, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la 3D et qui touchent surtout au concept art, c'est-à-dire un peu le côté sandbox de la 3D, je sais que beaucoup de gens recommandent quand même Cinema 4D, qui arrive à aller aussi loin que Maya sur certaines facilités de modélisation, sans pour autant être une usine à gaz pour l'apprentissage. Bon, c'est tout vert derrière. C'est tout vert derrière, ça va, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur tout ça, sans question? C'est où que tu vois les questions sur le chat? Je vois ici. Tu as mis le chat en palier. Baisse ta tablette. Mets ta tablette. Ouais. On voit ta tête. Allez. Voilà. Coucou. En plus, vous pouvez voir ma belle chemise. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens? Je viens de Toulouse. Je viens de Toulouse, mais c'est pas un détail absurde. C'est-à-dire que
C'est tout le monde me parle de mes couleurs dans mon portfolio, des choses très vives, très saturées. C'est peut-être parce qu'aussi moi, au niveau du sud de la France, on a droit très souvent à un ciel bleu profond, j'ai les murs qui sont tout rouges et colorés, la végétation varie entre le jaune, l'anis, le vert, la terre est plutôt rouge, c'est-à-dire il y a très peu de choses désaturées, et j'ai quand même remarqué que beaucoup d'artistes sont influencés par leur environnement, de façon générale. Il suffit de voir les peintres du siècle dernier, surtout la plupart qui viennent de Russie ou d'Ukraine, ils se reposent souvent sur des couleurs très très argentées, parce qu'en fait, leur environnement est vraiment sur des gammes de couleurs très désaturées, de façon générale. Je reste aussi dans le sud de la France pour ça aussi, parce que j'aime beaucoup le climat, mais également parce qu'il m'influence énormément sur des lumières très vives. J'ai passé 6 mois à Londres, et ça a été un peu dur pour l'inspiration, justement, parce que c'était pas du tout des gammes de couleurs qui étaient sur ma fréquence artistique, en fait. Même s'il est toujours important de se métisser, dans tous les cas. Alors, est-ce que ça marche un peu mieux ? Non, pas mieux, non. Ce serait très bien que ça marche un peu mieux. C'est ma faute ? Non, c'est pas ta faute. Tout à l'heure, on était bon, mais j'ai... On était sur le dupli de l'écran. Et il a décidé que... Non. Il a décidé qu'il n'était pas d'accord. Alors, sur le chat. Si est-ce que tu arrives à lire le chat ? Il y en a qui parlent d'aller chercher du popcorn. Vous avez bien raison, le popcorn, ça semble être la meilleure idée aujourd'hui. Alors, est-ce que je pense proposer un jour des tutos, vidéos, formations ? Alors, le truc, c'est qu'on me propose très fréquemment d'animer des masterclass, que ce soit en école supérieure ou ce genre de choses. Je vous cache pas que c'est quand même assez épuisant à mettre en place. Donc, je profite justement quand ce soit dans le cadre d'une école ou d'une formation, ou tel que c'est le cas aujourd'hui avec Adobe. Mais après, de mon côté, j'ai vraiment pas le temps sur mon planning de tous les jours de pouvoir travailler là-dessus, même si un jour je voulais les vendre ou ce genre de choses. Et il y a aussi la question qui revient souvent, c'est de filmer mon process. Alors, le problème, c'est que mon portfolio, ça représente que 30% de ce que j'arrive à montrer de mon travail, parce que la plupart du temps, je suis sous clause de non-divulgation. Et même quand je travaille sur mes projets personnels, j'arrête pas d'alterner avec Google Mail pour voir les suivis de mes clients, ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas du tout intéressant à regarder, parce que j'arrête pas d'ouvrir et fermer mes fenêtres dans tous les sens. C'est pas forcément un problème de manque de concentration, mais c'est-à-dire que j'arrête pas de faire des allers-retours avec mon planning, avec ce genre de choses. Mes images, je les avance souvent, enfin je les réalise souvent en 3 étapes. Des fois, il y a des images que j'oublie complètement de terminer, donc c'est pas forcément le plus intéressant à filmer de mon côté. Sachant qu'il y a des gens qui ont un process très proche du mien, je vous conseille de regarder un peu tout ce que fait Bastien Grivet de Warden Light. Et il y a également... Qu'on avait reçu d'ailleurs l'année dernière. Bastien l'a reçu pour présenter justement cette partie concept. Avec toute sa bonne humeur. Ouais. Et il y a la chaîne de Feng Zhu, qui est quand même hyper utile. Il y a plus d'une 60aine d'images de process. Il explore un peu tout. Je crois qu'il n'utilise pas trop la 3D, mais dans tous les cas, c'est-à-dire les concept artistes, on n'est pas sur un standard de production. Mais malgré tout, on a une idéologie un peu commune de ce rapport, comme j'en ai parlé avant, de construire une image un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire on ne sait pas trop où on va et on improvise sur à mesure par rapport à comment... plusieurs éléments qu'on va intégrer dans nos images réagissent entre elles. Niveau composition, prépares-tu tes lumières et quelques couleurs dans l'outil 3D ? Oui. Alors, très fréquemment, ça dépend complètement. Des fois, c'est simplement j'ai besoin d'une bonne base en perspective, et je sais que la lumière que je vais faire est beaucoup trop compliquée à faire en 3D, donc je préfère tout faire sur Photoshop. Mais la plupart du temps, je suis quand même sur des raisonnements assez classiques d'une lumière directionnelle qui projette des ombres. Donc quand on est dans quelque chose d'aussi simple, tel qu'un éclairage extérieur, je vais souvent me baser sur une préconfiguration de Maya qui s'appelle le Physical Sun and Sky, où en fait on a juste une lumière directionnelle qui essaie de simuler un minimum un éclairage extérieur avec du beau temps. Donc c'est assez utile, oui, justement pour réfléchir de cette façon, et surtout que je compose énormément avec les projections d'ombre des éléments les uns sur les autres. Il y a beaucoup de choses qui vont être peintes en 2D, mais au moins ça me donne des informations sur où est-ce que je dois faire des percements de lumière ou ce genre de choses.
Néanmoins, il faut faire gaffe à ne pas être trop dépendant de la 3D de ce côté-là. Par exemple, j'ai régulièrement fait des scènes d'intérieur pour mes concept art, en essayant justement d'être dépendant de la 3D par rapport à l'éclairage. Et les éclairages intérieurs, ou faire rentrer de la lumière à partir d'une fenêtre, c'est quand même quelque chose de très fastidieux en 3D, par rapport à la prise de vue, pour pas que ce soit trop sombre ou pas que ce soit trop contrasté. Et donc souvent je triche, c'est-à-dire que par exemple je vais faire des scènes d'intérieur, mais en fait on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas de toit, simplement pour que un maximum de lumière rentre dedans, ou carrément, de toute façon, la base lumière 3D va me servir finalement très peu et va être manipulée dans tous les sens. Sur Photoshop, c'est-à-dire je vais rajouter des ombres là où il y a de la lumière, je vais tricher complètement. Le plus important, c'est que la composition raconte quelque chose, en tout cas. Ça y est, ça marche ? Non, je suis en mode complètement galère là pour l'instant, c'est dommage. On était plutôt pas mal lancé. Tu commences à avoir soif, on a encore de l'eau. on a un petit verre d'eau pour toi. Ouais, s'il te plaît. Bravo. Je suis sûr que vous adoreriez voir écran. Je vais pas écouter. Pour l'instant, j'ai pas encore de solution miracle là. Je suis en train de penser à un truc. On va essayer de mettre en place. Alors, les questions. Quelles sont mes références artistiques, inspiration ? Alors, évidemment, je pense que moi, c'est vraiment les dessins animés des années 80 qui m'ont beaucoup marqué. J'aime beaucoup le côté un peu universel et coloré de tout ce qu'on voit dans ces dessins animés. C'est-à-dire, autant la Japanimation. J'aime beaucoup les couleurs vives. Donc je me suis énormément construit sur la bande dessinée, la pop culture, années 80-90, Tortue Ninja, tout ce genre de choses. Mais heureusement, et accidentellement aussi, dans mon parcours, quand je suis sorti de mon école, j'avais pas envie de foncer à Paris, travailler dans les studios, parce que c'était en pleine crise. Il y avait beaucoup de studios qui fermaient, les salaires étaient vraiment minables comparés à maintenant. C'est-à-dire maintenant, je dis pas que c'est parfait, mais avant c'était vraiment terrible. C'était vers 2006, 2007, 2008, quoi. C'était une période qui était très très dure pour tout ce qui est infographie et jeux vidéo. Et je suis resté à Toulouse et l'emploi que j'ai trouvé a été, mon premier emploi a été dans un studio d'architecture. Quelque chose qui était absolument pas, à la base, un sujet qui me passionnait spécialement. J'avais quand même de la curiosité pour ça, mais j'étais pas un expert, j'avais aucune culture dedans, rien de très sophistiqué. Et j'ai travaillé pendant 2 ans à modéliser des résidences. Pas des résidences très très belles, mais en fait, malgré tout, je me suis fait une grosse culture de l'architecture en général, parce que travailler avec des architectes, déjà, ça permet de connaître des noms d'artistes, de créateurs assez incroyables, de se faire un gros bagage culturel de ce côté-là, et d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce qu'il y avait en dehors de la pop culture. Donc ça a commencé avec l'architecture, mais par exemple en ce moment j'arrête pas de fouiller sur toute la peinture du 19e siècle, notamment vous pouvez taper sur Google, c'est le courant de peinture de l'Hudson River School, qui est un courant de peinture américain qui est très orienté contemplatif au niveau de la nature, qui joue sur des échelles absolument gigantesques. C'est vraiment ça, il pousse le détail très loin, mais en jouant énormément sur la profondeur de champ, c'est très cinématographique avant l'heure. Moi je considère même presque que c'est les racines de la fantasy. Les racines de la fantasy, c'est-à-dire que quand je dis que c'est les racines de la fantasy, c'est-à-dire qu'on dirait des scènes du Seigneur des Anneaux, alors que ce sont simplement des paysages américains ou européens, mais avec un point de vue, avec un peu de dramaturgie dans le ciel, des lumières très intéressantes, quelque chose qui nous refait découvrir la nature et la beauté qu'elle a selon la manière dont on pose le regard dessus. Et donc, c'est très peu orienté sur les personnages, mais justement, c'est une façon typiquement de 1800 de voir les choses avec une profondeur de champ énorme, des espaces gigantesques. Et donc, c'est pour ça que j'encourage aussi justement à mixer culturellement vos influences, parce que beaucoup de gens vont faire pas forcément leur culture visuelle, mais vont chercher leurs influences sur ArtStation, ou sur des gros sites justement très liés à l'industrie du cinéma et du jeu vidéo, alors que justement ce que souhaite l'industrie du cinéma et du jeu vidéo, d'un point de vue en tout cas des directeurs artistiques, hein, je parle pas des producteurs, c'est quand même généralement aller chercher un peu de nouveauté, c'est-à-dire que si quelque chose marche vraiment très bien, nous surprend, c'est parce qu'il a amené une petite part d'originalité. Et donc dans ce cas-là, il faut peut-être aller chercher, pas forcément sortir des arts visuels, mais peut-être aller chercher du côté du design, de la photo, du cinéma peut-être de genre. Quand je dis cinéma de genre, c'est également, par exemple, moi j'aime beaucoup le cinéma coréen,
qui racontent les choses d'une façon complètement différente. Et ça, on peut s'en nourrir justement pour nos cadrages, pour nos plans, pour nos illustrations. Tu as un masqué le chat, je peux plus interagir avec les gens. Tu peux expliquer un peu ton parcours aussi. Hein ? Tu peux expliquer ton parcours aussi. Expliquer mon parcours ? Oui, je l'explique tellement souvent que je commence par l'oublier au fur et à mesure. Oui, comme je disais, moi j'ai commencé dans l'architecture d'un point de vue professionnel, mais avant, quand j'étais adolescent, je créais des petits jeux vidéo en pixel art, puis ça m'a mené au fur et à mesure à mon école d'animation qui s'appelait l'ETPA, qui a été racheté par l'ESMA, qui est maintenant qui a maintenant des écoles un peu partout dans toutes les grandes villes de France. Donc ensuite j'ai travaillé 2 ans dans l'architecture, ce qui m'a quand même boosté d'un point de vue... J'ai élargi ma culture et surtout ça m'a apporté le professionnalisme. Quand je parle de professionnalisme, c'est savoir interagir avec des collègues, travailler en groupe, nuancer un petit peu sa vision artistique, d'éviter de toujours penser à un rapport de l'absolu, de chercher l'art partout. Et des fois, on est obligé de travailler avec le marketing dans tous les cas, qui n'est pas forcément le grand Satan de l'artiste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ensuite, je me suis lancé dans la bande dessinée parce que, après 2 ans d'architecture, quand même, où c'était quand même un milieu un peu tristoun d'un point de vue purement créatif quand je devais réaliser moi mes images, je me suis lancé dans la bande dessinée par cette idée de vouloir réaliser une œuvre moi-même de A à Z. J'ai travaillé quasiment 2 ans en faisant 3 tomes d'une bande dessinée qui s'appelle Les Voisins du Chaos, que toutes les pages sont encore en ligne. C'est un webcomic que j'ai auto-édité. Et en fait, la bande dessinée a été une période vraiment excellente pour apprendre la narration, le découpage, et surtout la bande dessinée force à ne jamais dessiner la même chose, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des cases identiques. Donc on est constamment en train de sortir de sa zone de confort, et ça force un petit peu à éviter tous ces gimmicks et des classiques de composition qu'on aurait l'habitude d'utiliser trop souvent. Malgré tout, la bande dessinée, c'est aussi un petit piège selon le caractère qu'on a, mais moi j'ai trouvé ça en fait au bout d'un moment très dur d'être seul sur le projet de A à Z. J'aime beaucoup la façon dont travaillent les Américains et les Japonais, c'est-à-dire le rapport au studio, même si il y a sûrement des histoires de rythme de travail très discutables concernant le Japon en particulier. Mais cette façon de faire un projet à plusieurs, des fois avec une très forte collaboration avec l'éditeur et surtout avec des assistants, des gens qui vont nous aider à construire tout ça, qui laissent des fois un peu plus de place à la réflexion qu'à la production, je trouve ça très intéressant. Et j'ai voulu revenir vers ça tranquillement, et en fait je me suis servi de la bande dessinée comme d'un projet pour lequel je pourrais fournir des concept art. J'ai commencé à faire au fur et à mesure des concepts, des backgrounds issus de ma bande dessinée qui étaient... que je mettais à côté, comme si que je réfléchissais à un projet de façon générale, tout en avançant sur mes planches. Un projet qui aurait pu être n'importe quoi, un jeu vidéo autant qu'un film. Et voilà, à me mettre dans un rythme de travail, comme si je travaillais en équipe avec moi-même. Et ça a pas mal payé, parce que en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de propositions de studios par rapport au background de ma bande dessinée, dont on peut retrouver la plupart sur mon portfolio. Un environnement très, très urbain et végétal, justement, qui démontre un petit peu mon savoir-faire en termes de mélange de 2D, 3D ou d'illustration et de choix de couleurs. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu des propositions qui se sont accélérées. C'est-à-dire, au départ, on est content, on a 4-5 collaborations dans l'année, et puis au fur et à mesure, ça passe à 10, puis à 20, puis à 30, et puis au fur et à mesure, on peut plus tout prendre. J'ai travaillé sur, je pense, une bonne vingtaine, trentaine de jeux vidéo et films différents. Je me suis pas amusé à les compter parce qu'en fait, des fois, il y a des missions qui peuvent être très courtes, c'est-à-dire ça peut être de l'ordre d'une semaine, alors que des fois, ça peut partir sur 6 mois, voire 1 an. Et on va dire que par rapport à toute ma carrière de freelance concept artiste, illustrateur, celle qui m'a fait un peu revenir maintenant vers la création d'un studio de jeux vidéo de A à Z, c'est que j'ai travaillé 1 an pour le studio Rocksteady, qui est à Londres, une collaboration qui s'est vraiment très très bien passée, j'ai adoré, mais c'est-à-dire que au bout d'un moment j'avais envie de reprendre une liberté par rapport à tous ces projets que j'avais enchaînés, tous ces projets auxquels je me greffais ou auxquels j'étais en train de c'est-à-dire j'étais en train de prendre un niveau d'expérience assez incroyable d'un point de vue technique par rapport à toutes ces collaborations, par rapport à toutes ces visions qu'il y a de produire un jeu vidéo,
qu'au bout d'un an, eh ben, j'ai senti vraiment le moment venir de vouloir m'y mettre moi aussi, c'est-à-dire de concevoir un projet de, à nouveau de A à Z, comme ça avait été le cas pour la bande dessinée, mais cette fois, pas en solo. Et donc, le jeu vidéo indépendant est quand même une solution très intéressante pour bosser à plusieurs sur un projet artistique, de mélanger des compétences qui sont vraiment différentes, de faire un travail humain intéressant, justement, sur la, la cohésion, sur savoir à quel moment on lâche du lest ou non, sur des idées d'un, d'un jeu, que ce soit au niveau du design, du son, du gameplay. Donc maintenant, depuis début de l'année, je suis en train de travailler sur donc, Forest of Liars, dont on a parlé tout à l'heure, de nos studios Meshul Lovers. Donc là, maintenant, je dessine toujours autant, je prends également pas mal de temps justement sur tout ce qui est le travail de le vrai travail de direction artistique en fait de A à Z, de devoir chapeauter le projet, d'avoir des collaborateurs, d'avoir bossé avec un infographiste, de bosser avec un animateur. On a également une musicienne qui est avec nous, donc de commencer à créer en fait cette espèce de dossier géant qui va contenir toutes les références du jeu et qui va donner une vision globale à tout le monde pour qu'on avance tous dans la même direction. Ok, je t'ai remis un peu le chat parce que c'était pas évident. Ouais. Je suis en train de tester un dernier tour de passe-passe qui a pas l'air de vouloir se mettre en place directement. Je suis désolé, hein, j'ai perdu complètement la deuxième entrée, celle qui servait à toi. Ouais. Donc, je pourrais te proposer de bosser sur le Mac, mais là, ce serait vraiment. Tu me ferais trop la tête vu le temps qu'on a passé à calibrer la tablette. Par contre, je suis en train d'essayer de la récupérer de l'autre côté, sur ce Mac-là, qui me permettra de lancer et de relancer dans l'autre sens. Donc, normalement, on devrait avoir quelque chose de bon dès que la petite barre ici est remontée. Ouais, il y en a pour à peu près. Il y en a pour à peu près encore quelques 30 secondes. Ça te permet de prendre encore une question de Hugues Perrin qui dit : créer une BD un jour, est-ce que c'est possible ? Ben, comme c'était le cas, je l'ai fait avant, j'ai fait quand même... Est-ce que recréer une BD, une autre BD, oui, un jour ? Oui, alors je compte bien y retourner un jour, mais pour l'instant, je profite de toutes les opportunités qui m'ont été données, plus des projets actuels lancés. Surtout que c'est un univers dans lequel j'avais vraiment envie de retourner, mais si je refais de la bande dessinée, cette fois, justement, ce sera en équipe. Peut-être avec un... Essayer de réfléchir à un rapport de production, comme dans un studio japonais. Mm-hmm. Et apprendre justement à déléguer du travail, c'est-à-dire déléguer de la confiance artistique, ce genre de choses, ça c'est quand même assez important. Je prends régulièrement des stagiaires à notre studio, et ça me plaît énormément parce qu'en fait, déjà j'aime bien le rapport de transmission, même si je pourrais pas être prof parce que j'ai du mal quand même à répéter tout le temps les mêmes choses, et j'admire les profs pour ça, c'est pas du tout une critique justement. Mais surtout en fait travailler en collaboration, ça permet de formaliser, de verbaliser des idées qui sont des fois vraiment trop obscures dans notre tête, c'est-à-dire des fois on est vraiment persuadé d'avoir une excellente idée mais il suffit simplement de la formaliser pour se rendre compte que c'est complètement débile ou alors que c'est impossible à produire, que ça devient très très compliqué. Donc oui, voilà, la bande dessinée, ce sera peut-être un jour le cas à nouveau, mais en groupe cette fois. D'accord. Et puis, il y a quand même un côté assez réconfortant de savoir que les gens sont sur le même bateau que nous et on a tous envie que les choses fonctionnent bien, dans tous les cas. Quoi. Ça me semble bien comme thème. C'est l'important. D'avoir envie que les choses fonctionnent bien. Si je te dis que j'y suis presque. Ah ouais, ça fonctionne pas, bien. Tu ouais. m'en veux pas pour la demi-heure de suivre sans filet Une fois, il y a une école où, quand je suis arrivé, je leur ai dit vous avez Photoshop et la Cintiq. Ils m'ont dit ah non. Et c'était pour une masterclass de 2 jours. Et donc, pendant une matinée, le temps qu'ils trouvent le matos, j'ai dû être debout et improviser. Sympa. Ça, c'est j'avais pas mal, plus beaucoup de salive à la fin. Mais... Mmh. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, après, tu commenteras tout ce que je fais, hein, comme un commentateur sportif. Mais complètement, ouais, parce que j'aime bien commenter en fait ce que font les autres. Et la manière dont ils bossent. Alors, combien de personnes ont déjà quitté le chat ? Personne. Alors, figure-toi que, étonnamment,
vous êtes tous toujours là. Je pense qu'il doit y avoir des nouveaux qui arrivent et quelques-uns qui sont en train de se barrer les uns après les autres, mais tranquille. Bon, en toute façon, on va rajouter une demi-heure sur, sur la vidéo, au moins pour que je puisse avoir le temps de faire un minimum de présentation sur Photoshop. C'est ça, parce que si on ne te rajoute pas cette demi-heure-là, finalement, tu ne seras pas venu pour grand-chose, ce serait dommage. Bah ouais. Ce serait quand même super frustrant. J'aime bien parler de moi, mais c'est mieux penser à Amsi, quoi. Écoute, tu m'avais dit que tu aimais bien parler de toi, que tu étais un peu bavard. Non, j'aime bien parler de plein de trucs, je suis bavard, mais parler de moi, ça peut être fatigant quand même. Puis j'ai pas envie de finir avec un melon énorme. Allez. Alors, attends, on y est presque. Pourquoi aujourd'hui il refuse ? Pourquoi aujourd'hui ça ne veut pas ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Tu vois, si, alors si, j'ai bien une petite idée. Alors, est-ce que c'est la faute de Wacom ? Est-ce que c'est la faute du PC ? Est-ce que vous êtes en bon terme avec Wacom ? On est en super bon terme avec D'accord. Wacom. D'accord, ouais, c'est pas la faute de Wacom alors. C'est pas du tout la faute de Wacom. Hop, open, ouvre-toi. Alors, ma bande dessinée, si, elle est en ligne, ça s'appelle Les Voisins du Chaos. Je l'ai auto-édité le premier tome, j'ai auto-édité le premier tome via un Ulule, c'est-à-dire via un financement participatif. Ça a été également l'occasion d'apprendre toute la difficulté de l'auto-édition. Ça a été très gratifiant, très intéressant, le projet s'est conclu. Néanmoins, ça a été épuisant, parce que même si j'aime beaucoup faire de la BD, je suis pas pour autant fan à faire la logistique d'envoi, de carton et ce genre de choses. Et là, je vous cache pas que quand on est un créatif et qu'on fait une œuvre, on a plus envie de la réaliser que de la vendre. Et surtout, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour ça. Donc, pour l'instant, la bande dessinée, elle, est en ligne sur lesvoisinsduchaos.com. Mmh. Évidemment, elle est en pause, c'est un gros hiatus pendant un moment. J'ai encore des albums chez moi pour ceux qui voudraient en commander, en rab. Mais je ne compte pas retourner du tout dans le processus de l'auto-édition, personnel en tout cas. Si ça se fait, ce sera en collaboration avec des gens. D'ailleurs, j'ai de très bons amis éditeurs qui font leur boulot de façon très bien. Je pense à Third Edition en ce moment qui ont un Kickstarter en cours, une maison d'édition spécialisée dans les livres dédiés à l'historique des jeux vidéo. C'est avec un travail journalistique très poussé, c'est très intéressant. Alors, je vois qu'il y a une question qui a l'air un peu longue et qui n'apparaît pas entièrement. Non, vas-y, j'aimerais savoir s'il y a une connexion entre la manière de placer la lumière, narrative de l'image, et pourrais-tu nous donner des références ? Alors, là, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer visuellement. J'aimerais bien. Mais globalement, le gros conseil au niveau du rapport à la lumière dans une illustration, c'est qu'il faut concentrer les choses vers le centre. C'est-à-dire que si vous avez une masse très sombre et d'un coup un percement de lumière dans votre image, par exemple, ça peut être le cadre d'une fenêtre qui apparaît complètement sur la gauche, un peu hors champ, ça risque d'être problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle en illustration, mais il y a quand même des recettes qui font que les choses fonctionnent très bien. Et donc justement, si vous attirez l'œil vers l'extérieur de l'image, vous êtes en train de perdre le spectateur. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impression soit que l'image a été recadrée ou croppée, ou alors vous êtes en train de l'orienter vers un endroit qui n'a pas de suite. Dans une bande dessinée, c'est très intéressant de penser la narration dans le sens de lecture, c'est-à-dire l'orientation des personnages dans la direction dans laquelle ils courent. Mais quand on fait une illustration unique, comme une couverture ou un concept art, il faut absolument enfermer le regard du spectateur vers le centre. Je vous dis ça, il y a des gens qui ont réussi des compositions magnifiques en brisant ce type de règles. Mais c'est justement parce qu'ils avaient très bien compris ce qu'ils ont pu les déformer et se les réapproprier. Mais si vous voulez rester quand même un minimum sage et être sûr de ne pas prendre de risques, du moins au début, c'est-à-dire penser à un élément de lumière qui vient se projeter vers le centre de l'image. Donc ça peut être par exemple autant une porte qui s'ouvre au loin et qui nous amène vers l'extérieur, mais tout ça orienté vers le centre de l'image. Ou alors vous pouvez penser à votre composition comme à un puits de jour où on a la lumière qui vient frapper le sol pile au milieu de l'image sur un sujet précis ou même qui entame un projet précis. Par exemple, imaginons une petite voiture qui est au fond d'une ruelle, et d'un coup on a un rayon de soleil qui perce entre deux bâtiments et qui vient se projeter dessus. Avoir pas forcément la voiture entièrement exposée à la lumière, mais seulement peut-être une partie ou une ligne droite, ça va révéler la topologie de notre voiture, parce que déjà la lumière va prendre la forme de la voiture. On va pas seulement avoir une ligne droite, on va avoir une ligne droite qui se répartit sur toute la forme bosselé d'une petite voiture, et ça va être très très élégant pour l'œil.
de façon générale. Ensuite, la chose qui est très importante à effectuer, et ça je vais le montrer dès que ça marche, c'est-à-dire c'est l'interaction des couleurs des sujets colorés entre eux. C'est-à-dire que si vous êtes dans, justement dans une ruelle, on va dire à la méditerranéenne, avec des murs assez clairs ou blancs, et que vous avez peut-être par exemple une boutique qui est toute bleue ou couleur azur, il est très important de faire diffuser la couleur de son mur sur le reste des autres murs de façon plus légère et assez subtile, pour penser justement à la radiosité, les rebonds de photons, essayer de simuler un petit peu tout ça. Même chose pour une fenêtre qui mène vers l'extérieur, c'est-à-dire faut pas hésiter à faire déborder la lumière, pas forcément par un flou, mais justement entamer ce côté un peu de comme si que les bords de la fenêtre avaient quelque chose de transparent, ils deviennent très jaunes par rapport à la lumière qui se diffuse, la densité atmosphérique, la poussière qui vient se répartir dessus. Alors, les autres messages. C'est atroce. Alors, tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la BD en auto-édition? Quel était ton processus et rythme de travail? Alors, l'auto-édition, je pense que c'est quelque chose en bande dessinée qui n'est faisable qu'à condition d'avoir une communauté. Et le problème pour avoir une communauté, c'est qu'il faut travailler en quelque sorte énormément et gratuitement pour faire diffuser son travail sur le net, pour le constituer. Et pour ça, il faut avoir en quelque sorte des avances d'argent ou des facilités de ce côté-là. Moi, j'ai eu du bol parce que quand j'ai travaillé en architecture, j'ai eu un très bon chômage quand la boîte a fermé. Et j'ai, en plus, j'ai vu ça avec mon conseiller Pôle emploi qui était tout à fait d'accord avec ma démarche de me lancer dans la bande dessinée, de me laisser cette chance-là. Moi, je suis quand même très reconnaissant. Je sais pas le Pôle emploi actuel, mais le Pôle emploi de l'époque. De 2011, a été plutôt cool avec moi de ce côté-là et m'a justement pas trop mis la pression. C'est-à-dire, ils essayaient quand même de me faire rentrer dans des boîtes. Mais dans tous les cas, ils voyaient que la bande dessinée était un projet sérieux. Même si on a sa communauté, il faut quand même admettre qu'il y a de grandes chances qu'il n'y ait que 10% de la communauté qui ait vraiment envie de s'investir d'un point de vue pécunier enfin, en termes d'argent, financièrement dans le projet, d'acheter un album ou de soutenir. C'est un peu le cas pour les youtubeurs, hein. On voit des youtubeurs avec des millions de vues qui peinent à récolter leurs petits 1000 euros par mois. Bon, après on est dans des rapports de consommation différents parce qu'un album c'est pas la même chose qu'une vidéo regardée sur YouTube, même si je mets absolument pas les travaux sur des échelles de valeur différentes. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a une organisation à avoir de ce côté-là. Et c'est-à-dire que moi, si je conseille l'auto-édition, ce serait quand même de le faire quand même un minimum en équipe, c'est-à-dire être avec trois personnes qui vous soutiennent très fortement dedans, quelqu'un qui puisse gérer un certain côté en quelque sorte de la communauté, voir les choses un peu comme une micro-entreprise, parce que jongler sur tout le reste, c'est très compliqué, à moins qu'on ait juste envie de se faire un beau livre, peu importe si on gagne de l'argent dessus ou pas. Ça, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour vous d'avoir de la love money, enfin, c'est-à-dire de l'argent de la part de vos proches ou de vos amis. Des gens qui vous suivent d'habitude. Ouais, voilà, pour éditer un petit artbook, ce genre de choses. Au niveau des imprimeurs, alors là, il y a des tas d'adresses différentes. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte que si un éditeur, de façon générale, ne donne qu'entre 8 et 10 % du prix de vente d'un album à un auteur, moi, je trouve ça assez peu, mais c'est pas non plus complètement délire. C'est qu'il y a quand même une chaîne du livre derrière, avec des gens qui sont plus ou moins experts et des éditeurs qui sont plus ou moins sérieux. C'est parce qu'il y a quand même énormément de travail. C'est-à-dire que faire un produit, ça suffit pas à le vendre. Et des fois, c'est juste que la moitié du chemin qui a été effectué. Donc, c'est un peu dur pour moi aussi de recommander le chemin de l'auto-édition, même si je pense que c'est une solution très intéressante pour démarrer, en tout cas, pour pratiquer au début. Mais il faut rendre ça viable, et ça devient beaucoup plus compliqué, et pour rendre ça viable il faut des partenaires, ce genre de choses, sachant que au niveau de l'édition, il y a en ce moment énormément de, même les éditeurs ne sont pas complètement à 100% à blâmer, c'est-à-dire qu'il y a le rapport à la diffusion, c'est-à-dire que même si un éditeur a fait la promo de vente de bande dessinée, il faut ensuite qu'elle aille se loger dans les librairies. Ouais. Et là, ça devient encore un autre problème très compliqué sur lequel je vais pas revenir. Tu arrives à... On le tente comme ça. Ça va pas être de la 100% qualité, ça va même être un peu dégueu. Ah ouais. Mais ça nous permettra d'avoir... Ouais, écoute, on aura, pour l'instant, j'ai ça en mieux. Ok. J'ai pas beaucoup mieux. C'est-à-dire, on n'est pas en 1080p, quoi. On n'est pas en 1080p, non, on est en moitié de ça. En 720p ? Moitié. 2080, ça fait 540. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Ok. Bon. Donc on va travailler dans les grandes masses. Allez, c'est parti. Check. Alors, je vais peut-être redresser ma scintille pour commencer. Et là, tu débranches le câble et c'est fini. Bon, j'abrège un petit peu mon laïus sur l'auto-édition. Je vais vous démarrer comment je commence mon image. Alors, par contre, j'ai un petit truc. Qu'est-ce qui va plus ? Il y a une fréquence là qui est très désagréable. Est-ce que tu vas réussir à vivre avec ? Parce que je sais pas comment je vais la virer. Je vais avoir mal aux yeux, mais on va faire comme on peut. Allez. Merci. Ok. Alors, bon, voilà, là, on est devant le syndrome de la page blanche, hein, direct. C'est ça. Je vous cache pas que je suis venu ici, justement, en essayant de pas réfléchir à une image, précisément. Ça tombe bien, parce que là, on t'a donné une heure pour ça. Voilà. Donc, je me suis donné... je me suis venu quand même avec quelques références que vous pouvez voir ici. Alors, ce sont des références qui font partie de mes dossiers de références que j'utilise tous les jours en tant que concept artiste. Là, j'avais pris même pas 1% de ce que j'ai. J'ai pris un peu au hasard. J'ai pris quelques silhouettes de personnages. J'ai pris des silhouettes d'arbres que je m'étais déjà préparé à l'avance. Et également pas mal d'images références qui ont... je vais en ouvrir une au hasard. On n'est pas sur la bonne fenêtre, voilà. Qui ont... Voilà, ça c'est des images de référence assez intéressantes. C'est-à-dire que déjà, on a un petit apport architectural, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que ici, dans cette image, on a quelque chose qui est très décomposé en plans. C'est-à-dire on peut clairement définir ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au fond, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est au milieu, et ce genre de choses. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme ça qu'on doit penser nos images de façon générale. Donc, je vais démarrer... alors, je vais prendre ça, et je vais démarrer avec cette photo comme base générale pour une composition. Je vais pas essayer de conserver le même cadrage. Je vais me mettre en symétrie axe horizontale. Mince, désolé, j'ai supprimé le fichier parce que j'ai pas... T'as pas le bon raccourci de clavier ? Ouais. Ah. Non, mais c'est pas grave. Je remets ça. On y était presque. On va pas se perdre là-dedans. Voilà, donc... Concernant mes images, c'est-à-dire que des fois, j'explore énormément de photos sur des... en général sur Pexel, qui est un site de photos libres de droit, qui, justement, a des photos assez qualitatives, sur des sujets un peu variés, mais qui ont toujours des couleurs assez intéressantes, des bases, des réflexions artistiques assez sympas. Par contre, je fais vraiment très gaffe à tout ce qui concerne le droit d'auteur, de ce côté-là. Donc là, tout d'abord, j'ai pas vraiment besoin de social, je vais partir sur complètement autre chose. C'est-à-dire, je vais me servir de cette falaise et de ces constructions uniquement comme amorce, comme si que je balançais déjà un peu de terre à moitié modelée pour démarrer quelque chose. Donc, on va virer tout ça très rapidement. Oui, j'espère qu'il va pas te mettre trop de trucs dans le deuxième écran. J'ai pas vu le message. Non, c'est que j'ai oublié de pixeliser le calque. Ah, alors tout va bien. Ok. Donc tu pixelises le calque pour pouvoir justement faire de la modif de pixels, de la peinture, quoi. Ouais, c'est ça. Alors attends, j'ai le touchpad qui me gêne un peu, mais c'est pas grave. Ah, je sais pas. Ok. Donc à partir de là, hop là, je vais dupliquer pour pas avoir les rebords un peu gênants. À partir de là, je vais peut-être essayer de recadrer ça pour essayer de penser à une compo d'une façon ou d'une autre. Peu importe, faut pas se stresser là-dessus, on pourra rebouger ça plus tard. Allez, je vais le mettre de cette façon-là, ici. Ok. Je vais essayer de me donner une ambiance de couleur, peut-être que je la changerai plus tard. Et quand je parle d'une ambiance de couleur, c'est déjà d'un background coloré. On va démarrer avec des. Avec ceci. C'est du test. C'est-à-dire rien n'est sûr. Tout ça c'est de l'essai, quoi. Alors on essaie quand même d'être un minimum cohérent dans l'éclairage. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait la même orientation en perspective, mais c'est pas vraiment grave parce que de toute façon, je peux me servir de la montagne comme une masse en fait derrière. C'était un peu ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Il n'y a plus de flèche. Non, j'essaie de chercher le contrôle moins. Mais c'est pas grave, je l'ai ici. Tu te l'es mis là-haut. Ouais. Donc voilà, on va essayer de composer de cette façon-là. Alors, parmi les règles, une des règles que j'ai apprises en architecture, par exemple. C'est qu'il est toujours intéressant de situer l'horizon à un tiers de l'image. Ça, c'est parti juste des règles de confort pour faire une illustration un minimum bien composée, quoi. Donc pensez-y quand vous déplacez vos éléments, c'est-à-dire que si vous avez un horizon qui est pile à la moitié de l'image, imaginons que ça soit la limite du ciel par rapport à un bord, c'est-à-dire que vous commencez à créer de la symétrie dans votre composition, et ça, c'est pas bon du tout parce que ça revient à ordonner et ranger les choses et les organiser, et c'est ce qui fait que l'œil détecte immédiatement qu'un humain est passé par là et a voulu un peu réorganiser tout ça. Alors que si, justement, on prend un point de vue un peu plus décalé, là, ça redevient quelque chose de plus naturel, donc de plus organique.
Donc on va essayer de jouer sur une petite diagonale au niveau de la composition entre une respiration, enfin quelque chose une réponse entre la montagne et cette falaise et ses constructions. Donc je vais peut-être positionner un peu ça en rapport de tiers, et je vais peut-être aller mettre cette montagne un peu plus bas. De cette façon. Alors tout de suite, en plus, on peut commencer à se faire plaisir en commençant à casser peut-être un petit peu l'échelle. L'œil va pas remarquer que je suis en train de transformer tout ça d'un point de vue de la perspective. On peut peut-être donner un peu plus de verticalité pour donner encore plus de force à cette première base, à cet ensemble. Et là, je me rends compte que peut-être je ferais mieux de faire l'inverse entre la montagne et la falaise. Okay. C'est le genre d'illus que tu réalises régulièrement où tu dis justement comment tu composes tes masques. Ouais. Tu... C'est-à-dire que tout ça c'est juste une amorce. Hein. C'est-à-dire j'essaie de pas en être trop dépendant dans tous les cas, mais par exemple je vais quand même changer aussi quelques éléments dans la falaise et j'hésite pas à jouer avec justement la déformation, la verticalité, au niveau de l'horizon aussi. Alors okay, on va peut-être voir ce que ça fait de boucher un petit peu cette partie-là. Peut-être qu'on se rend compte que c'est un petit peu gênant parce que on commence à masquer cette jolie montagne qu'on a en arrière-plan. Et là, je vais déformer de cette façon. Alors, comme on le voit, on commence à perdre en qualité au niveau de l'échantillonnage, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux fermer, t'as un truc fermé. Voilà. Désolé pour les interruptions. Mais non, mais il essaye de te montrer Dimension, mais c'est pas pour aujourd'hui. Dimension, on fera d'autres sessions dédiées à ça. C'est ça. La bêtisier Adobe. Non, écoute. On peut également peut-être tenter de donner un peu plus de verticalité à la montagne pour la faire ressortir par rapport à tout ça. Bon, je vais peut-être essayer de trouver une solution. On peut pas jouer à fond sur la diagonale, mais voilà. Et puis éviter tout ce qui est nœud graphique, les accidents. Là. Voilà, c'est ça. Surtout aussi, on évite la tangente. La tangente, c'est-à-dire que par exemple, si on prend le sommet de la montagne et qu'on compose pile comme ça, on a l'impression que le sommet a été aimanté sur le bord. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'il y a un photographe qui est venu recadrer volontairement tout ça, et on perd tout le côté naturel, on a perdu le côté réaliste de l'image. Donc je vais peut-être la remonter aussi un petit peu. Voilà, de toute façon. Il n'y a pas de placement idéal, hein, de toute façon. Les gens peuvent s'amuser à essayer de faire des... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le nombre d'or, ou la spirale de Léonard de Vinci. C'est intéressant comme base, mais... C'est pas forcément ça qui va régler tous les problèmes d'une illustration. Et des fois, c'est aussi une perte de temps d'essayer de trouver l'idéal de ce côté-là. Alors là, au niveau des couleurs, hein, c'est quand même n'importe quoi pour l'instant. On va essayer de rééquilibrer tout ça rapidement. Sachant que là, en plus, au niveau de la construction de mon image, je suis quand même beaucoup trop inspiré de ma base initiale. Donc, je vais virer cette partie. Voilà, je pense que la baguette magique sera peut-être un peu plus utile. On va mettre pixel contigu. Allez, je vais mettre 20 de tolérance. Ouais, toujours régler la tolérance quand vous vous rendez compte qu'elle attrape beaucoup plus de trucs que ce que vous auriez imaginé. Ouais, et on va peut-être mais encore descendre. Je sais pas si tu t'en serais même pas mieux sorti avec un. Ouais, tu penses avec l'outil de sélection. La sélection rapide que t'avais juste avant, qui était pas mal. Qui fait exactement ça. Voilà, ça a l'air de marcher à peu près. Ok. Vous avez remarqué aussi que je travaille pas en pleine résolution pour l'instant, parce que l'important, même vous pouvez travailler comme ça quand vous êtes en train de démarrer votre image, c'est qu'il faut qu'elle soit compréhensible de très très loin, votre illustration, dans tous les cas. Je sais que les Warden Light, par exemple, quand je les vois bosser, limite ils bossent comme ça. Comme ça, en mode timbre. Ouais, j'exagère un petit peu, mais... Non, t'exagères pas du tout. Tu l'as vu faire, ouais. Bastien est venu ici, on vous remettra le lien de la session de Bastien, et il a vraiment démarré sur un timbre poste, mettait trois coups de pinceau au timbre poste en miniature, et plus il avançait dans le temps et dans l'image, plus il rajoutait de la texture, et il termine sur la couleur. C'était assez intéressant à voir. J'ai essayé de vous retrouver le petit lien de la session, parce qu'elle était très chouette. Aussi. Alors on va commencer à essayer de placer un ciel. On n'est pas obligé de positionner un ciel ultra chargé, mais on va tenter quelque chose d'un petit peu dramatique de ce côté-là. Voilà. Là on commence à retrouver quelque chose qui vient mettre en avant un peu le pic de notre montagne. Je vais booster un petit peu les contrastes.
Bon, là, j'y vais bourrin, hein. C'est-à-dire je pourrais faire être plus subtil avec la courbe ou ce genre de choses, mais on va essayer d'avancer vite. Ok. C'est l'occasion, peut-être. Donc, je vous ai remis le lien pour ceux qui sont intéressés dans le chat. Vous retrouverez ça un tout petit peu plus tard. Bon, je suis pas sur ma configuration de base, donc je vais un peu moins vite que ce que je fais d'habitude. Non, c'est bien parce qu'on en... Ouais, ça laisse le temps un petit peu d'interpréter. Allez. Maintenant, j'ai un peu rééquilibré toutes ces couleurs. On n'est peut-être pas obligé de rester dans les tons roses pour le ciel derrière, ni pour le pic qui est à l'avant. Alors, je vais faire ça en vitesse avec la balance des couleurs. Alors, une astuce, c'est que la balance des couleurs, des fois, je vais dupliquer mon layer. Alors, moi, je ne fais pas partie des illustrateurs qui font des backups et des sauvegardes et qui gardent tout séparé en calque. Mm-hmm. Parce que, surtout sur les deux premières heures de production, ce serait trop lourd aussi pour Photoshop, vu la résolution dans laquelle je travaille et vu le nombre de calques que je génère à la minute. Donc moi, je suis plutôt du genre justement à fusionner très rapidement, quitte à perdre quelques petits backups, mais c'est pas vraiment grave. Hein. Par contre, j'envoie pas aux clients des images tout aplaties, ça c'est clair. Mais j'ai en général une vingtaine de calques pour la plupart de mes compos. On va sur la balance des couleurs. Alors j'ai dupliqué le calque, je vais expliquer un peu pourquoi. Et je vais forcer un petit peu les jaunes. Histoire de rééquilibrer par rapport à la montagne de devant. Ouais, peut-être surtout dans les tons foncés. En même temps, cette couleur bleue a quelque chose d'intéressant. Je peux aussi essayer de l'inclure dans la compo du premier plan. Ouais, les couleurs claires, on va venir frapper un petit peu plus. Le front de la montagne. Et si on regarde par rapport au calque qu'il y a en dessous, il y a des chances qu'en fait les contrastes aient un peu changé. Donc je vais lier le calque avec les nouvelles couleurs sur le calque original du dessous. Mmh. Et je vais le passer en mode couleur. Donc c'est très subtil sur ce cas-là, mais des fois ça arrive. Je vais zoomer un petit peu pour voir la différence. Mais c'est-à-dire que là, en fait, on a juste un changement de couleur. Mmh. Alors que si je le remets en mode normal, on a un léger changement de contraste. Et si je veux conserver les contrastes du calque en dessous, justement, je le remets en mode couleur tout en sans avoir eu le problème. Donc j'ai fusionné. Je recule dans ma compo. Maintenant, on va finir essayer de régler un petit peu ce qui se passe devant au premier plan. Alors, déjà, peut-être, je vais faire également pareil un réglage de couleur très rapide. Avec la balance des couleurs. Pour essayer de retrouver le même univers. Essayer de retrouver là où tu étais très jaune, repartir plutôt sur des tons de ton magenta, parme un peu. En fond, ça va faire un peu plus d'azur. Et ça, c'est surtout de l'expérience en fait. C'est des bidouilles, hein. C'est à force de tester les différentes choses. Photoshop, j'ai jamais eu vraiment de cours vraiment académique par rapport à ça, donc j'ai testé un peu toutes les options qu'il y avait, et des fois je m'en sers même pas sur des trucs qui. C'est-à-dire de façon un peu détournée. Hein. Et je vais montrer ça justement avec l'outil remplacement de couleurs, qui est quelque chose qui m'est super utile maintenant. Mm-hmm. Allez, on va refaire exactement la même procédé, je vais remettre en mode couleur. Pour conserver le contraste original de l'image, même si c'est pas forcément celui que je souhaite. Et là, par exemple, dans ce calque, je vais aller dans réglage remplacement de couleur. Je vais aller choper les tons sombres. Alors déjà, chose importante, c'est que dans ce contexte-là, on est quand même sur un rendu très photo, parce qu'on est dans quelque chose de très contrasté. On a des noirs qui vont très rapidement dans des couleurs cramées, les blancs sont vite écrasés. Et pour l'aspect illustratif, le but, c'est justement de jamais avoir de noir. Noir et de blanc 100%. Mmh. Essayer de briser ça parce que de toute façon les illustrateurs ils sont dépendants de leurs encres à la base et c'est ce qui donne ce côté un petit peu dessin animé, c'est-à-dire quelque chose de pas trop brûlé. Donc je vais sélectionner les zones les plus sombres de ce calque, je vais mettre une tolérance au pifomètre et je vais commencer à venir rééclaircir en fait cette partie-là. Quitte à ce que ça révèle énormément de détails de la photo ou les artefacts JPEG, mais je m'en fiche parce que moi je vais repeindre énormément de choses par-dessus. Donc j'essaie d'y aller mollo, je peux essayer de changer la saturation également pour par rapport à tout ça, ou voir de la baisser, peu importe. Je suis peut-être un peu fort en luminosité, je vais revenir avec des bases un peu plus, euh, un peu
plus cool. Voilà. Ouais, l'idée c'est de garder un noir coloré, enfin un gris coloré plutôt qu'un noir. C'est ça. Mmh. Alors, une fois que j'ai fait ça, il y a aussi une autre solution. Je vais revenir en arrière et je vais utiliser un calque que j'aime beaucoup utiliser qui est lighten, c'est-à-dire éclaircir. Donc, je vais me prendre une brosse très douce. Hop là. De toute façon. Et je vais faire un calque qui est par-dessus qui est lié uniquement à ce calque-là, qui va me servir de masque. Et je vais prendre une couleur d'ombre un poil plus claire que celle qui est ici, qui est très très sombre, là, par exemple, c'est très noir. Je vais en prendre un poil plus clair. Et je vais venir peindre ici. Et en fait, je suis sur un pinceau à 100%, je vais donner un exemple un peu plus concret, si je prends cette couleur-là. C'est-à-dire, en fait, ça va venir injecter cette couleur uniquement dans les tons qui sont plus sombres. Et ça va pas venir abîmer la couleur en question, Et ça va pas venir abîmer les tons qui sont plus clairs. Donc c'est très intéressant pour venir rattraper des couleurs d'ombre et venir leur donner une petite identité, un peu plus de couleur de ce côté, de cette façon. Donc voilà, je vais venir... je vais un peu aller dégommer toutes ces valeurs d'obscurité qui sont là. Mmh, tout ce qui était complètement noir, ça vient, cette espèce de violet foncé par... C'est ça. Et on peut faire fonctionner ça de façon inverse. C'est-à-dire que par exemple, je vais me mettre sur un calque par-dessus en mode obscurcir, qui est le système inverse, qui est darken en anglais. Et donc, je vais venir attraper l'ombre qui est là, on va dire une ombre un peu plus claire, celle-là par exemple. Et je vais pouvoir venir rajouter de l'ombre sur certaines zones sans venir abîmer les ombres les plus foncées. Et ça, c'est assez intéressant justement pour venir donner un petit peu ce côté, donner ce côté un petit peu dramatique là. Par exemple, imaginons qu'on a une ombre, un gros nuage qui vient projeter une ombre sur le haut de ce sommet, et ça va être intéressant justement de lui projeter une ombre ici, parce que ça va venir le décoller du fond. C'est-à-dire on va éviter d'avoir des tons clairs sur tons clairs du nuage. En fait, ça permet de créer une découpe. Et ça, je vous remarquerai que beaucoup d'illustrateurs des années 50, des années 30 américains, quand ils peignaient les buildings, ils assombrissaient forcément le fond pour qu'on puisse les détailler parfaitement du ciel très clair, parce que les buildings sont très clairs étant donné qu'ils sont réfléchissants. Pour pouvoir distinguer complètement, pour pouvoir... Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas réel, tout comme le liseré de lumière souvent dans les films, mais c'est pas quelque chose qui est tout à fait juste, mais c'est quelque chose qui est très illustratif. Donc je vous donne des exemples de ce côté-là, et puis ça donne un côté aussi un petit peu dramatique. Donc là j'y suis allé un peu fort, je vais prendre quand même une ombre un peu moins foncée. Voilà. Et le truc c'est que des gens pourraient dire mais tu peux faire ça avec le mode produit, mais le problème c'est que le mode produit va également ajouter de l'ombre sur l'ombre, tandis qu'avec le mode darken justement je viens pas abîmer. Tu vas pas foncer quelque chose qui est déjà très foncé. Donc là en plus j'y suis allé un peu fort, mais je vais y aller un peu plus subtil avec une brosse avec moins d'opacité, et donc là je vais venir y aller un peu plus de façon un peu plus mesurée. Voilà. Plus mesurée, quitte à repasser plusieurs fois, c'est ça. Peut-être que je peux changer un petit peu la couleur aussi. Alors, j'ai mon nuancier qui est parti sur l'autre fenêtre. Voilà, on peut donner un peu plus de saturation, un peu plus de bleu dedans. Et on peut venir assombrir aussi le reste qui est là. Et alors là, pour l'instant, en fait, tu t'occupes pas de si tu perds du détail dans la photo ou quoi. De toute façon, non, parce que de toute façon, moi, je suis pas en train de faire un made painting. Là. C'est-à-dire, mon but, c'est simplement de donner une base pour la peinture. Je vais y aller aussi un petit peu fort de ce côté-là. Alors, je vais peut-être même faire disparaître un petit peu ce qui se passe ici. Parce que de toute façon, je vais un peu régénérer tout ça ailleurs. Alors là, je vais me mettre carrément sur un calque en mode normal. Voilà, je fais un peu disparaître tous ces petits détails d'architecture que je recherche pas forcément à avoir. Ici. Ok. Ensuite, voilà. Bon, maintenant, je vais refusionner tout ça pour avoir un calque un peu plus propre. Je vais peut-être essayer de recréer. Allez, je vais me prendre mon lasso comme ça. CTRL J, je duplique. Et à partir de là, je peux peut-être essayer de me refaire, reprolonger du détail à des endroits qui n'en avaient pas assez, en fait, de cette façon. Donc, je vais lier le calque. Je vais me mettre sur la gomme avec un pinceau assez doux. Et je vais essayer un peu de fusionner tout ça. Tout ça, c'est du test. C'est juste pour voir comment ça pourrait marcher. Est-ce que ça peut donner un peu de cachet. Sachant que quand on veut incruster un peu de la matière, de la texture, j'ai enlevé ça, c'était juste un exemple. Je vais prendre cette partie-là. Je vais encore la dupliquer à nouveau. Et je vais me mettre en overlay. Incrustation. Et donc, avec ça, on peut rajouter de la matière. Alors, surtout si j'enlève la saturation, on n'est pas obligé, hein, mais
Voilà, avec ça, je peux venir rajouter un petit peu de texture à des endroits qui en manquent. Tu rajoutes la texture, mais tu rajoutes pas du tout de couleur dedans, de teinte, ce qui était en train de pourrir un peu le... Des fois c'est utile, des fois ça ne l'est pas du tout. Hein. Ça dépend complètement. Mais voilà, en plus, si je joue sur un petit peu de semi-transparence, ça permet de rattraper un petit peu un monde qui a été un peu... des détails qui ont commencé à se dissiper tout seul, quoi, hein, par rapport à mes précédentes retouches. Donc ça, c'est juste un exemple, hein, de comment je pourrais l'utiliser, et on va sûrement avoir l'occasion de l'utiliser à nouveau. Ok. Je vais jouer un petit peu quand même sur la verticalité de l'ensemble de cette montagne. J'aurai l'occasion de retoucher tout ça d'une façon. Alors on a la visite de Bastien Grivet, ouais, qui demande si tu peins à la souris ou si c'est son kir qui fait encore effet. Je peins à souris pour l'instant. après j'ai passé en mode paint over et donc je vais reprendre le stylet. Là je suis simplement en train de tester et de composer, donc pour tout ce qui est manipulation de calque, je préfère faire ça à la souris plutôt que à la tablette. On va essayer de rajouter un petit peu de détails, peut-être même du premier plan, on va voir. Alors je vais regarder par rapport à mes références. Je pourrais même rajouter un bout de rocher aussi. Non. Il sait toujours pas t'ouvrir tes images directement, ouais, dans Photoshop, il aime pas ça. Donc on peut prendre, par exemple, on peut faire un test avec ce rocher là. Alors du coup, c'est peut-être pas encore rentré dans ton process, mais toutes les histoires de sélection et masquer, t'as eu l'occasion de jeter un œil dessus ou... Comment ? Toutes les histoires de nouveaux outils de sélectionner et masquer, t'as eu le temps de jeter un œil ? Absolument pas. Ah zut, faut qu'on trouve un petit peu de temps là cette semaine. Ouais, je veux bien. non, mais alors moi j'avoue que je suis pas quelqu'un qui suit un grand technicien de Photoshop, c'est-à-dire que j'en découvre tous les jours. Faut dire que c'est aussi un logiciel qui se met à jour très rapidement, très facilement. Mais bon, j'ai eu l'occasion quand même d'assister aux présentations de Stéphane Baril. Et il y avait des trucs que j'aurais pu complètement faire gagner du temps depuis très longtemps, quoi, que j'avais pas du tout découvert. Même des fois, mes stagiaires m'en font découvrir. Moi, je suis beaucoup plus dans le rapport au process qu'au rapport technique, en fait. C'est l'idée de composer qui m'intéresse. Là, on va essayer de retoucher un petit peu les couleurs, juste pour que ça ressemble un minimum à cet ensemble. L'admiration de l'air. Peu importe, je donne juste un poil de matière. On va essayer de greffer ça au reste. Ok. Je vais venir essayer de rajouter le ton jaune dans les tons clairs là. Donc. Par exemple, le remplacement de couleur peut être super utile pour ça. Carrément, ouais. Ok. Ouais, ça permet de redonner la direction du soleil à peu de frais. Ouais, c'est ça. Des fois même, je peux réussir, si le fichier est vraiment... La photo originale est vraiment avec de bonnes factures. Des fois, on peut même s'amuser à réussir à inverser l'ombre et la lumière de cette manière. Il faut bien gérer le truc. Ouais. Ça demande des essais. Allez, on va revenir assombrir aussi un petit peu le haut de cette colline, avec quelque chose peut-être d'un poil plus sombre, pour la décoller de l'arrière qui se passe ici. Est-ce qu'on rajoute un petit peu de végétation ? On va faire un test. Alors, je vais donner un exemple par rapport aux arbres, de façon générale. Je vais montrer ça, tiens, un petit peu. Allez, on va se mettre quelques pins. Fight Club, c'est le début de Fight Club. On commence à se mettre quelques pins. Bah ouais, on va même en mettre à l'ordi tout à l'heure. D'accord. C'est la semaine de la violence. Alors, sur un truc aussi aride, ça risque d'être peut-être un peu problématique. Ouais, je sais pas ce que je suis en train de faire, c'est pas très intéressant. Je vais essayer de trouver avec une masse un peu plus curieuse de ce côté-là. Mais malgré tout, je vais quand même en profiter.
Allez, je vais prendre. On va voir cet arbre. Windows ne marche pas. Si, si, mais il te le met noir sur fond noir. C'est sûr. Tu dois moins voir les. Alors, je vais montrer un exemple souvent comment je fais la végétation dans mes compositions. Il m'arrive de partir justement sur des bases comme celle-ci. Je vais agrandir un petit peu mon pack. Enfin, ma compo plutôt. Je vais peut-être donner un peu plus de dynamisme vertical à cet arbre-là. Il fait un peu chaud. Il fait bien chaud. Hein. C'est vrai qu'on va avoir le choix entre la clim et le niveau du micro. Mais on peut parler un tout petit peu. Vas-y, mets-nous un petit peu de clim. On baissera tout à l'heure. Baisse-la à 21. Deux fois. Ouais. Ok. Ouais. C'est ça. Alors, allez, là je vais mettre à la tablette. Je vais peindre un petit peu là-dessus. Ça va faire plaisir à Bastien que tu te remettes à la tablette parce qu'il était un peu inquiet. Du coup, les gens vont voir un petit peu plus de ta tête. Oh, attends. Oh là là. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pas passé? L'écran, la scintille est sur deux écrans à la fois. Ah. Alors attends, j'essaie de voir. On sait faire que la synthique soit sur un seul écran. Oh putain, ça va être compliqué. La souris. Correspondance, c'est mon moment préféré. Synthique 22, fonction, changer d'écran. Pen display sur le. Pen display là pour vous, pen display là connectif. On est où? Ok, vas-y, essaye de voir si ça suffit. Non, tu vois, j'ai cette zone. Il croit qu'il est à côté, là. Il est perdu? Bah non, il est de l'autre côté, en fait, il fonctionne comme une souris, si tu veux. On recommence. Hop, il fonctionne comme une souris, c'est dommage. Un petit peu vers 0, proportion obligatoire, non. C'est ça, utiliser la zone d'incrustation. Non. J'ai changé d'écran, pourquoi je suis pas à changer d'écran? On joue, là, hein. On doit m'entendre respirer dans le micro. Alors. Pen display bascule entre. Bascule entre l'écran, entre chaque affichage. Ok. Si je mets un seul écran. Et normalement, il y a un moment. Si tu mets un seul écran, ça va faire la recopie derrière. Okay. Et là, ça va être un peu. Si tu mets qu'un seul écran, ça va être un peu pénible. Pourquoi je peux pas l'avoir directement dessus? Là, on est bon. Là, on est bien. Est-ce que j'ai pas. On a toujours une fonction de basculement entre écrans ou pas? Est-ce qu'on a des. Alors, on va voir de quoi ça part sur le chat. Ouais, vas-y. Parce que ça dit beaucoup de bêtises depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, et il se moque de moi sur les plateaux du Tibet. Alors, il me parle du bon miroir de Windows, mais le problème c'est que. Le problème c'est qu'on a trois écrans. On a l'écran du portable, l'écran de la synthique. Et l'écran qui vous renvoie les images. C'est cette problématique-là, en fait. C'est pas qu'on ait deux écrans, c'est trois. Hop, gauche, droite. Changer d'écran. Pourquoi est-ce qu'il... Vas-y, fais un... Non, il est toujours sur l'autre écran. Et si... Ah, c'est fou, ça. Et si je fais une... Attends, ne bouge pas la souris, juste pour voir. Vas-y. Il est sur l'autre écran, et quand je... Ah, et non, il croit que c'est... Ben c'est ce qui me semblait qu'on avait ça, ouais. C'est le changement, le basculement d'écran. Mais il y en a un qu'on a dû désactiver y a pas tout un à bouton. L'heure. Oui, normalement, c'est un bouton sur la synthique thématique pour changer en fait d'écran. C'est là où il faut lire Stéphane. Les ennuis du direct, comme on dit. Bonne nuit. C'était dans les... Non, j'ai désactivé le touch parce que ça, c'est insupportable. Hop, navigation, quatre doigts, fichier de bureau, basculer les appuis, clavier sur l'écran, activer tactilement. Et là, dans une fonction, tu peux mettre. Dans une des fonctions en bas, on va se mettre désactiver, changer d'écran. Voilà. Ah. C'est lui qui va changer d'écran. J'espère qu'il va pas être souvent. Vas-y. Alors attends. T'es toujours là-bas. Non, regarde, il me change la position de la souris là-bas. Ah, c'est sympa. C'est hein. Complètement surréaliste. Alors attends, on recommence. Où es-tu, paramètre de. Attends, il est arrivé là. Ouais, si tu l'as en écran principal, l'écran de la synthique. Ouais.
Et tu vas perdre le signal vidéo, c'est ça? Oui, de chance, ouais. Même s'il est très statique. Ouais. Vas-y, on tente. Allez, on tente. Vous êtes prêts? On tente de perdre si, le... Si ça vous avait amusé jusque-là... On va rajouter encore une heure à la conférence. Ouais. Parce qu'il me faut absolument que 2 et 3 soient identiques. Et je peux avoir juste d'accord. 1 et 2 et 1 et 3, et je peux pas travailler différemment. Et la synthique, je vais la récupérer comment? Stéphane, si tu veux venir et que tu t'ennuies, t'es le bienvenu. Hein. Hop. Je fais appel à un ami sur place. Ouais. Pour l'instant, ça va. Bon, je vais essayer de regarder les questions qu'on pose. Avez-vous pensé à allumer votre ordinateur? Alors... Ah, il y a des gens qui s'amusent. On sent qu'il y a des gens qui ont été techniciens informatiques. Hein. Ça. La problématique étant que si je quitte l'appli... Alors, j'ai l'impression qu'un concept artiste implique des contrats en freelance plutôt que des CDI. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, alors que pourtant ça n'empêche pas d'être concept artiste en interne dans un gros studio assez confortable. Mais c'est-à-dire que la plupart des jeux vidéo indépendants ou des jeux de... enfin les studios de moyenne gamme sont en rapport de production avec des agendas très précis et par exemple peut avoir un an de pré-production sur un projet. Et ensuite les 4 années suivantes sont dédiées à la production elle-même. Dans tous les cas, les concept artistes sont quand même utiles en permanence, parce qu'il y a toujours des agendas de projets qui se superposent dans les gros studios, même dans les petits aussi. Mais c'est clair que la demande, il est assez rare que des studios aient besoin d'un concept artiste à vie, en fait. Regarde. Ah, là, ça va marcher. Stéphane rentre dans la pièce et le truc fonctionne. Et là, voilà, c'est ça. Il fallait qu'on ait Stéphane dans la pièce. Eh, on est bien là. Bon, la tactique fonctionne. Ouais, t'as plus le droit de toucher le bouton du bas. Ok. Mais attends, je désactive le bouton du bas. Bah, parce que je vais appuyer dessus, hein. Tu peux être sûr. Hein. C'est le truc Wacom que tu viens de fermer, donc tu recherches Wacom. Moi j'ai rien fermé. Si, tu l'as fermé, je t'ai vu. Enfin, c'est écrit Wacom. Dans le rond. Clique sur le rond, écrit Wacom. Oui. Ah ouais, non, quand c'est pas parti, c'est pas parti. Hein. Pourquoi il le trouve pas? Il l'a trouvé il y a 5 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais pas appuyer sur le bouton. Allez. Même avec la pomme de la main. Bon, désolé pour cette interruption. Moi, je ne suis pas sur un matos. On est quand même sur du bon matos, mais... Mais quand ça... Ouais, mais quand qui n'est pas prévu pour... Quand c'est mal barré, quoi. Ouais, il y a l'histoire de la recopie, là, où on l'a fait 3 fois. Alors, voilà un exemple de comment je fais mes arbres, en particulier ces derniers temps dans mon jeu Forest of Fire pour mes concepts. Je vais partir d'une silhouette que j'ai peut-être souvent déformée, tordre un petit peu, sachant qu'on a en plus l'outil déformation de marionnette dans Photoshop qui peut être utile pour changer l'axe d'un tronc ou ce genre de choses. Je vais venir sur tout ça rajouter de la matière. Alors dans tous les cas, là j'ai mon tronc qui est séparé, qui est isolé. Je pourrais très bien peut-être retoucher à ça pour mettre un tronc un peu plus grand que les autres. Je vais même l'isoler carrément pour qu'on aille un peu plus vite pour vous montrer au niveau de mon processus pour la façon comment je peins la plupart de mes arbres quand je pars de zéro. Mmh. Donc ouais, ça c'est vraiment de la texture que tu as récupérée un peu n'importe où. Ouais. Des silhouettes que j'ai généralement en fait que j'ai isolées et que j'ai ensuite vectorisées pour les agrandir. Mmh. Déjà la vectorisation nous permet de zoomer un peu à l'infini dessus. Et surtout, ça nous fait des bords très très nets et pas à moitié amochés que telle une sélection classique. Mmh. Donc aussi, je montre pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de s'en servir. C'est-à-dire que si par exemple je sélectionnais avec l'outil sélection de baguette magique cet arbre-là, de façon extérieure ou intérieure, peu importe. Je vais sélectionner juste la forme. Je le masque. Et dans tracé, en fait, je convertis ma sélection en tracé. Mmh. Et à nouveau, je reconvertis cette sélection en sélection. Ce tracé en sélection. Comme ça, j'obtiens en fait une sélection qui est très bien anti-aliasée et qui n'est pas perturbée par toutes les petites erreurs de micro-sélection, de pixels qui Des pixels qui auraient été perdus dedans. Exactement. Voilà. Donc, je reviens sur ce
sur cette silhouette que je m'étais créé déjà en avance grâce à cette technique, qui est plutôt, on va pas dire qu'elle est parfaitement élégante, mais au moins elle a l'avantage d'être très bien détourée, donc facile à intégrer rapidement. À partir de là, je vais commencer à peindre. Alors c'est parti, là on est sur le pinceau mélangeur et on a cette horreur de... C'est bon, t'es dessus ? Non mais regarde ce qui se passe. Lequel dessous toi ? Je veux le pinceau. Ah mais d'accord, ok, ils l'ont pas... Alors on est dans l'espace... Je t'ai mis dans l'espace peinture pour que t'aies plein de palettes à droite, mais du coup tes outils sont répartis pour que tu les vois tous. Bah, je suis pas du tout habitué à cette disposition. Welcome. Alors... voici une partie de mes brosses Photoshop. C'est un assemblage de brosses que j'ai fait à partir de brosses que j'ai conçues moi-même et d'autres que j'ai trouvées de différents artistes. Donc c'est un gros mix. Je vais essayer de les partager prochainement justement pour que tout le monde puisse s'en servir. Sachant que je suis incapable de créditer tous les artistes qui peut y avoir dedans parce qu'il y a bien 60% qui sont issus de bibliothèques différentes. Et le reste des brosses que vous voyez vers le bas sont celles que je me suis conçues par rapport à des formes que j'ai dessinées moi-même, que j'ai travaillées. La plupart du temps, c'est des brosses végétales. Tout ce qui est brosses de peinture, je me suis basé par rapport à des brosses créées par d'autres artistes. Sachant que des fois, c'est même des brosses Photoshop de base qui ont été tournées et triturées dans tous les sens. Créer une brosse, ça peut prendre entre 5 minutes et un bon quart d'heure, le temps de l'équilibrer, de l'adapter à exactement à ce qu'on souhaite. Mm-hmm. J'ai de moins en moins l'occasion d'en créer parce que au fur et à mesure je me suis créé quand même une bibliothèque qui m'est de plus en plus stable de ce côté-là. Donc pour l'instant j'ai posé un petit peu de la végétation, je vais me prendre une brosse vraiment orientée peinture et je vais me poser la base de végétation sur cet arbre. Donc on va peut-être quand même repartir sur une couleur. Histoire de le distinguer de, base, de l'arbre. Je vais quand même malgré tout aussi me mettre un fond un minimum coloré. Mmh. Pas être gêné par le damier de transparence. Ok. Moi, c'est marrant. Enfin, on a tous un workflow différent. J'aurais pu utiliser le pot de peinture pour remplir la scène, mais j'aime beaucoup tracer des formes parce qu'en fait, ça permet des fois de pas être gêné par le pot de peinture qui a activé le pixel contigu. En fait, au lieu de l'activer, désactiver, de le remettre, ce genre de choses. J'ai trouvé plus facile dans mon workflow d'utiliser, de tracer des carrés à toute vitesse. Moi j'étais sur le masque, le calque de couleur unie. Parce que du coup, quand t'es pas content du gris, tu passes sur du vert ou du jaune. Là-dedans, dans les calques de réglage, de remplissage. Ouais, mais on a tous des process différents, mais sauf que des fois, moi c'est dans un seul cas que je vais remplir plusieurs zones, enfin, ce genre de choses. Ah oui, tu vas t'en servir derrière pour repeindre. Okay. C'est ça, ouais. Ça dépend complètement. C'est-à-dire que si par exemple, je veux repeindre la souche de l'arbre, enfin c'est-à-dire sa base en marron, moi je vais vraiment avoir tendance à utiliser ce truc-là pour le peindre comme ça d'un coup. Carrément. Après, je vais peut-être mettre un peu moins de luminosité dans tout ça. Voilà, ok. Alors, on passe à la végétation. Le pinceau, le vrai pinceau. Ouais, je suis pas habitué à cette configuration. Je vais peut-être rajouter un poil de matière. Pour pouvoir faire pousser ton arbre. Ouais. Ok. Donc c'est parti, j'ai déjà posé une première base. Je suis pas dans la bonne couleur. Aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne me peint pas? Ok. Alors, ce qu'il faut faire attention, généralement, quand on peint la végétation de façon globale, c'est-à-dire que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont tendance à faire un rond, en fait. Alors que c'est tout ce qu'il faut éviter pour un arbre. C'est-à-dire qu'il a une diffusion vraiment irrégulière au niveau de la façon comment la végétation tombe sur là-dessus. Et la croissance, en fait, d'un point de vue végétal, et part un petit peu dans tous les sens. On peut souvent avoir une base plate, un peu en forme de champignon, en fait. Ça c'est assez intéressant pour un arbre. Après voilà, il y a des tas d'essences différentes, donc il n'y a pas de règles précises. Mais il faut quand même essayer d'éviter l'arbre en forme de sucette, en fait. Pour un rapport organique aux choses. Oui, si tu veux faire du réel, si tu veux faire du Super Mario, tu peux. Oui, alors là il n'y a aucun problème. Pour la stylisation, les gens font ce qu'ils veulent. Mais essayons d'avoir une approche un peu ghibli de tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est ce que les gens viennent chercher un petit peu ici quand ils ont vu un peu ton travail, qu'ils ont un peu écouté le début de la session. Ok.
Ouais, du coup, tu varies tout le temps l'épaisseur de ta brosse, mais tu restes sur une couleur dans un premier temps. C'est ça. Un fond de base. Le but, c'est de se créer juste une structure. Voilà, donc là, j'ai quand même posé une première base. Et je vais peut-être commencer à poser de l'ombre par-dessus. Donc là, je vais prendre une couleur un peu plus contraste, un peu plus sombre, et surtout, alors, j'ai un peu de mal à... Et t'as ouvert ton selecteur. Ok. Je vais aller un peu plus vers les tons bleus, et surtout plus foncés. Je vais verrouiller mon calque, pour pouvoir ne peindre... Que sur la zone c'est déjà ça. Existante. Voilà. C'est quand même quelque chose de très pratique. Donc ça, c'est conserver les pixels transparents en fait. Pas s'amuser à recréer et à retravailler dessus. Je vais peut-être même y aller avec une brosse encore plus douce. Il y a Yojimbe qui nous dit « Ce travail préparatoire est top, ça apporte tellement de confiance pour la suite d'une créa, c'est excellent. » Merci Yojimbe. Merci. Je pense merci, que c'est ton plus grand fan. Aujourd'hui, c'est ton plus grand fan. Ben, merci d'être mon plus grand fan, Yojimbe. Si j'ai pas encore montré grand-chose et qu'on a eu plein de problèmes techniques. ça, c'est clair. Voilà, j'essaie de répartir un petit peu les ombres à lumière de façon assez élégante. On peut faire un peu pareil sur le tronc. J'aurai le temps de retoucher les couleurs de mes ombres de façon un peu plus élégante plus tard avec le remplacement de couleurs comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, là j'ai une brosse assez dure que j'aime beaucoup. Je vais zoomer un petit peu dans mon image parce que les gens ne doivent pas voir grand chose avec la résolution. Sur la résolution, c'est clair. Ouais. Voilà. Merci. Merci pour eux. Voilà. Bon là, c'est très rapide, hein. Je pose quelques ombres et lumières. En essayant d'être cohérent avec le fait que... La lumière venait de la droite. C'est ça. Qu'on avait une lumière un peu jaunâtre. On a des percements de feuilles, donc on va mettre des petites taches de lumière qui viennent se poser dessus. Et comme c'est pas encore hyper visible, je repars sur le remplacement de couleur. Et hop, je rajoute la luminosité et surtout peut-être de la saturation. On est vers quelque chose d'assez pictural, donc on peut aller chercher des couleurs... sont peut-être un poil plus exagérés et caricaturales que la réalité. Et donc, tout de suite déjà, en quelques coups de pinceau, on a déjà l'impression d'avoir des formes et quelque chose de posé qui est un minimum cohérent et qui permet de retrouver quelque chose d'assez intéressant et, entre le réalisme et le pictural. Quoi. D'ailleurs, j'insiste, un artiste qui est vraiment très très bon pour la synthétisation et pour résumer les formes de façon très simple, c'est Rob Ruppel. Qui a été, je crois, le directeur artistique du dernier Uncharted, et qui, lui, justement, essaie d'être très synthétique dans la façon de représenter les choses, autant au niveau des couleurs, au niveau des formes, et on a un rendu qui est très réaliste, tout en étant très stylisé. C'est vraiment super intéressant. Alors tiens, il y a Boos qui pose la question. Question matos. Est-ce que travailler sur Cintiq a augmenté ton process par rapport aux anciennes générations de tablettes? Et par anciennes générations de tablettes, il parle pas de ça. Alors oui, énormément. C'est-à-dire qu'avant, j'ai travaillé pendant très longtemps sur une tablette qui n'est pas écran, c'est-à-dire une Intuos. Mais je crois que c'était même pas du Wacom. De toute façon, à l'époque, c'était une marque, une sous-marque que j'avais eue en cadeau de Noël, mais qui m'a quand même tenu, je sais pas. 8 ans, 7 ans, et dès que j'ai eu mes premiers salaires, eh ben, je me suis rué vers la Cintiq. Ce qui était très dur il y a encore 10 ans, c'est d'essayer de trouver des modèles d'exposition à essayer. J'ai jamais pu essayer de Cintiq et je l'ai acheté vraiment au coup de cœur, à la confiance, et j'en ai pas été déçu, malgré le fait que les 3 premiers jours ont été très durs, où je me suis dit, j'ai acheté 2000 euros pour un truc que je ne maîtrise absolument pas. Le temps de s'habituer. Ouais, de t'habituer à avoir ta main sur l'écran. Déjà, ça c'est très très perturbant. Et au-delà de ça, on a l'impression quand on achète une Cintiq qu'on va dessiner comme sur carnet de croquis.
C'est la grosse douche froide quand on arrive dessus et qu'il y a un petit décalage de quelques millimètres avec le stylet, sachant que le stylet en plus c'est plusieurs outils en un seul par rapport aux brosses, par rapport à tout ça. Il y a un temps de maîtrise, c'est-à-dire je sais qu'il y a des gens des fois ils les essaient sur les salons, ils disent ah non c'est pas pour moi, mais simplement qu'il faut apprendre pendant 3 jours à s'y former et après ça devient un des outils les plus agréables possibles. Et moi j'ai beaucoup de mal maintenant à redessiner sur crayon, même si c'est quand même un exercice très intéressant et important à pratiquer. Alors j'ai pas la trousseur, j'en ai des couleurs. Donc voilà, ça c'est quelques brosses assez végétales. Là je vais commencer à aller un peu plus dans les détails. Du coup, on commence à retrouver du feuillage. Ouais. Et on voit en plus que tes brosses, en fait, à chaque coup de crayon, elles sont dans un sens, dans l'autre et tout. Enfin, avec la diffusion. Ouais, diffusion, réglage, préparation des brosses. On s'était fait un bout de session là-dessus, si jamais ça vous tente, pour voir un petit peu plus en détail ce point-là. Alors, à chaque fois que je vous fais des démos, c'est quand même beaucoup moins détaillé, beaucoup moins artistique que ce que vous pouvez voir là à l'écran. Là, on est vraiment dans l'usage par un pro. Alors que moi, je fais plutôt du technique dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Il y a Alan Le Fourni qui demande « Que penses-tu du dessin en nuance de gris pour ensuite le coloriser par-dessus ?» Alors, je l'ai renvoyé vers Bastien, qui fait quand même du dessin en nuance de gris avec la couleur par-dessus. Eh ben, c'est une technique à laquelle je ne prends jamais part. C'est quelque chose parce que... Enfin, on peut voir de toute façon dans mes compos que je suis vraiment pas orienté dans le noir et blanc. Mmh. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment persuadé, c'est quelque chose que je déconseille, c'est justement de commencer en niveau de gris. Parce qu'en fait, on ne pense son image qu'en contraste. Alors que des fois, au-delà des contrastes, on peut la penser en couleur. C'est-à-dire qu'un mur bleu et un mur rouge qui ont exactement le même niveau de luminosité permettent de penser notre composition. Ce qui n'est pas le cas si on le fait tous les deux avec un mur gris foncé et un mur gris clair. Et les couleurs, pour moi, c'est une surface de sélection de mon image. Et c'est pas la luminosité qui vont vraiment aider à déterminer tout ça. Donc ça, c'est un truc où moi, chacun sa façon de faire. Il y a des choses sur lesquelles, justement, entre concept artistes, on ne sera pas forcément d'accord. Je dis pas qu'il faut absolument faire comme moi, mais je trouve que c'est pour avoir des couleurs très marquées, très fortes, qui construisent notre image, qui contribuent à sa composition, il faut démarrer immédiatement en couleur. Attends, j'ai transfert, mais j'ai l'impression que ça marche pas très bien. Voilà. Donc bon, là j'y vais en speed. Je vais pas montrer tout le process pour faire un arbre. Je vais commencer à mettre des zones un peu plus sombres que la moyenne. Peut-être désaturer un petit peu ça. Je vois qu'il y a une question sur le chat avec des utilisateurs d'iPad Pro pour pouvoir démarrer. Je vous ai donné une petite session mardi sur le dessin en partant soit du tradi, soit du numérique, en se disant qu'on avait peut-être sous la main soit un téléphone, soit une tablette. Et pour la tablette, effectivement, je suis parti, j'ai présenté Adobe Illustrator Draw et Adobe Photoshop Sketch, qui peuvent être aussi des bons trucs pour démarrer, pour se lancer dessus. Je sais qu'il y a d'autres apps et que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir tester un peu tout ça. C'est toujours des questions de budget et de ressenti du stylet qui sont assez importantes. Toi, tu dessines que sur bureau et sur Cintiq ou t'as du portable? Je sais pas, j'ai le droit de parler de la concurrence ou pas? Écoute, ouais, tu t'es remarqué que moi j'avais tout fait pour l'éviter, mais je sais que toi, vas-y. Non, alors moi de toute façon, généralement, je suis quand même, c'est con, mais je suis quand même 100% Photoshop, surtout pour mon travail. Mmh. Mais récemment, j'ai eu Procreate qui m'a proposé de m'envoyer un iPad et tout, et de tester le logiciel en échange de quelques illustrations, ce que j'ai fait. Et je suis en train de m'y mettre petit à petit, mais je te cache pas que je trouve ça très intéressant pour le croquis en extérieur, pour esquisser des choses, mais par contre pour des images un peu plus poussées, et pour ce que je suis en train de montrer, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très très laborieux pour créer une brosse, surtout. Et pour tout ce qui est interaction avec des éléments extérieurs tels que des photos, ça devient très très dur. Après, peut-être que le logiciel va s'améliorer, mais néanmoins, il a quand même quelque chose de très très confortable. Pour du sketch rapide, pour du... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, pour les gens qui sont très habitués
faire des croquis à la main, ce genre de choses. C'est très intéressant, je conseille de l'essayer. Mais perso, moi, même si je sais qu'il y en a qui font du travail pro dessus à envoyer en tant que concept bien terminé à un client, je ne m'engagerai pas encore dessus, quoi. Après, chacun sa façon de faire. Hein. Bastien aura son cloche complètement différent du mien. Mais moi, Photoshop, j'ai vraiment besoin de Photoshop pour toute la puissance de ces layers, de ces filtres, de ces options de réglage. Parce que j'ai pas terminé, mais je vais montrer quelques options, justement, comment bien finaliser une illustration. Mmh. Alors, là, par exemple, je reviens sur mes théories d'illustration par rapport au feuillage de mon arbre. C'est-à-dire que pour l'instant, je me suis quand même basé justement sur des patterns de brosse et par l'accident pour construire mon arbre. C'est déjà pas mal, mais ça va pas suffire. C'est-à-dire pour donner un aspect où c'est pas juste une brosse Photoshop qui a créé mon arbre. Donc, ce qui est assez important dans une compo comme... dans un arbre un peu style, un peu Ghibli, un peu illustré, c'est de venir également quand même soi-même venir mettre des petites spéculaires de lumière et quelques feuilles vraiment un peu plus peintes à la main au milieu de toute cette répétition de brosse. Oui, c'est-à-dire que tu changes, tu casses l'idée de pattern, voilà, que tu avais tout à l'heure. De répétition, pour venir faire les choses un peu plus manuelles, et pour venir donner ce rythme, en fait, où on revient sur quelque chose, où je fais croire que tout a été fait, j'essaie pas de tricher, mais c'est-à-dire que ça donne la sensation que tout a été pensé de façon un peu plus délicate que simplement l'étalement d'une grosse brosse Photoshop. Je pense que ça aurait été validé par Miyazaki ou pas ? J'en sais rien du tout. Sachant que c'est pas forcément lui qui est l'expert des décors chez Miyazaki, je me rappelle plus le nom. C'est. Voilà, je me rappelle plus tout le temps, c'est un maître pour moi, mais je retiens jamais les noms des personnes. De toute façon, t'avais dit que tu faisais pas de name dropping de studio, on va pas faire du name dropping des personnes. Quoi. Non, mais c'est vrai que Ghibli ont des environnements artistes qui sont quand même assez excellents. Ils bossent en tradi la plupart du temps, c'est assez incroyable. Et voilà, ils ont des raisonnements aussi, ils fonctionnent en silhouette quand ils peignent. C'est-à-dire que s'ils peignent un arbre, ils vont pas le dessiner en contour. Ils vont immédiatement y aller en posant une grosse masse de couleurs. Vraiment, c'est de la sculpture d'arbre en fait, mais en 2D quoi. C'est où est-ce que je mets de l'ombre, où est-ce que je mets de la lumière. Du coup, ça complète un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est comment tu apprends au fur et à mesure, tu apprends des autres. C'est quoi ? C'est des confs, c'est des livres, c'est des vidéos, C'est un mélange d'expérimentation perso, par l'accident. Par exemple, l'utilisation du remplacement de couleurs, c'était complètement par accident, et maintenant c'est devenu un des outils que j'utilise le plus. Alors que des fois, justement, ça va être au milieu d'une conférence, pas forcément un tuto, mais des fois c'est juste un truc qui débloque, ou des fois c'est un simple concept artistique, un principe. Qui aide énormément. Quand j'ai découvert la conférence de Rob Ruppel qui s'appelait Dessiner rien qu'avec des carrés, où il essayait de faire des compositions quasi hyper réalistes en ne traçant que des carrés sur une compo, c'était vraiment très intéressant de montrer que la simplification, c'était quelque chose de très difficile, mais en même temps qui était très utile à penser en amont dans son image. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit très très simple de base dans les éléments qui architecturent le cœur de la compo, quoi. Donc c'est un mélange de tout ça, hein. C'est-à-dire autant j'ai pu apprendre beaucoup de Stéphane récemment avec toutes les micro tips qu'il donne au sujet de Photoshop. Donc voilà à peu près comment je peins ma végétation, je vais peut-être la mettre de côté au cas où pour plus tard. Pour le tronc, tiens, je vais zoomer un petit peu. Je vais le remettre avec une autre brosse que j'aime beaucoup. Est-ce que ce serait Kazuo Oga? Oui, c'est ça. Bien joué. Donc nous remercions Atnajoy pour avoir name-droppé Kazuo Oga. Ouais. Qui sera ravi d'avoir été cité aujourd'hui dans cette conf. J'ai deux artbooks de cet auteur. C'est vraiment quelque chose de très intéressant sur le rapport à la simplicité. Il y a pas mal de vidéos de lui sur YouTube en train de peindre à toute vitesse des compos absolument magnifiques. Mais aussi, tout ça vient aussi de gens qui ont un très bon rapport à l'observation de la nature. Et ça, c'est aussi un truc que j'insiste, c'est-à-dire que même si vous vivez dans une grande ville, quand vous vous baladez, regardez ce qui fait que votre point de vue soudainement est beau. Et qu'est-ce qui fait que c'est beau ? C'est simplement qu'il y a un rayon de lumière qui tombe à un endroit précis sur des plantes très vertes, sur un béton très gris, et que ça crée une harmonie de couleurs très intéressante. Voilà, ou alors simplement ça peut être une planche de bois rouge au milieu d'un
d'un espèce de bazar de papier jeté par terre. Et ça, mémorisez-le à chaque fois que vous vous baladez dans la rue, voire des fois même prenez des photos références. Apprenez à cadrer quand vous prenez vos photos. Prenez des pauses, enfin des cadrages un peu cinématographiques qui essaient d'être un minimum narratif. C'est un entraînement de tous les jours. Alors après, voilà, j'ai montré que je me basais sur une silhouette, mais je peux aller quand même beaucoup plus loin aussi, où justement, j'ai pas besoin de me contraindre seulement la silhouette. Donc, je vais rajouter un peu de matière. Finalement, Bastien a validé l'idée que le noir et blanc lui permet de faire passer rapidement une idée sur la recherche du compo, mais qu'il commence à partir en couleur depuis quelques temps. Zut. Écoute, Bastien, je pense que tu viens de gagner ton tour pour refaire une session où tu pars en couleur et tu pars pas en timbre-poste au départ. On va voir si ça change. Et à la question combien est-ce qu'il gagne de temps en passant direct à la compo couleur, en pourcentage plus ou moins, il se dit. Ouais, une heure ou deux quand même sur chaque illus. Ouais, ça dépend de la sensibilité à la couleur qu'on a. Bastien on a eu une excellente. Il y a des gammes de couleurs qui sont tout de suite très, très parlantes et universelles aussi, surtout. Moi je suis capable de passer, c'est-à-dire quand je suis vers la fin d'une illustration, il peut m'arriver de passer une heure et demie sur des réglages colorimétriques hyper subtils. Non pas que je fais ça comme un pro ou un mec qui essaie de faire ça comme un artisan orfèvre. Simplement que je vais essayer des tas de variantes. Je vais en essayer 10, 20, 30, jusqu'à quand même une que je trouve assez satisfaisante. Et des fois, ça peut vraiment sauver une composition qui était un peu mal branlée ou un peu mal barrée dès le début, quoi. Donc voilà un exemple de comment pondre un arbre avec un éclairage à peu près un minimum réaliste tout en ayant un minimum d'utilisation, différentes techniques, sachant que j'utilise ça vraiment très très souvent pour la végétation, pour me peindre des grosses bases, des grosses masses. On peut faire ça en plus encore plus vite, je vais donner un autre exemple, si on veut une grosse masse végétale un peu plus lointaine, genre bout de forêt. Hop là. J'ai eu super peur, j'ai cru que tu avais effacé tes calques. Le mec qui fait pas gaffe, c'est qu'il revient et soudain c'est l'écran bleu. Je suis un professionnel. Et ça t'est jamais arrivé de perdre tout ton taf Si. Ouais. Non, mais j'ai fait toutes les conneries possibles. Hein. Ah oui. Ouais. Voilà. Exemple un plein de végétation rapidement produit sur une grosse masse. Je vais me prendre une autre couleur. Et là pareil, c'est encore une brosse que tu avais déjà utilisée, que tu as importée, que tu as intégrée. Alors celle-là, je sais plus à qui je l'ai piqué. Mince, j'ai peint sur les deux calques, mais c'est pas grave. Je l'ai pas piqué en plus, j'ai téléchargé, mais je ne sais absolument pas de qui, parce que je te cache pas qu'il y a. Oui, il commence à y en avoir un paquet, et puis il y a pas mal de gens qui diffusent des bouts de brosse. Après, je sais qu'une un des échanges récurrents qu'on a avec les artistes ici, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui nous dit mais on peut avoir tes brosses ? Et à chaque fois, la réponse c'est genre bah ouais, tu peux les avoir, mais tu peux aussi les fabriquer toi. Bah, le truc, c'est surtout qu'il faut se faire son set de brosse à soi. D'ailleurs, je peux comprendre que des gens aient du mal à la fabriquer de A à Z, ou à dessiner la première pattern initiale qui va définir la brosse complète. Mais c'est-à-dire, c'est de créer son mix, en fait, comme un mix musical. Et moi, je partagerai celle-là bientôt, là, dès que j'aurai accès au web. Mais c'est-à-dire, si des artistes prennent un peu à les partager, c'est pas qu'ils veulent partager des ressources, c'est qu'ils veulent pas que ça devienne un standard, en fait. Parce que, en fait, il y a des fois, je vois des tutos qui sont balancés sur Gumroad, gratos ou non, et on retourne sur ArtStation et on voit que les gens les ont reproduits tels quels. Pas à pas, sans l'approprier, peut-être. Voilà, sans comprendre le rapport créatif qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire, il y a un moment où tu deviens un faiseur juste parce que tu es capable de dupliquer les trucs et c'est ça. Tu ne poses pas de questions sur la manière dont tu les montres.
je vais faire des remplacements de couleurs. Par exemple, j'ai remarqué souvent que les spéculaires des plantes, on peut leur insérer un peu plus de jaune, justement pour retrouver un teint un peu plus naturel, parce que c'est la lumière du soleil qui va venir se réfléchir dedans, donc c'est une lumière un peu plus jaune. Et inversement pour les ombres, on a la radiosité du ciel qui est bleue, qui va venir injecter énormément de bleu de ce côté-là, mais en faisant baisser peut-être la saturation. Et l'intérêt, tu vois, de penser en couleur, c'est que je peux exprimer les ombres sans qu'elles soient sombres, grâce à la couleur. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de commencer à composer son image en couleur. Alors après, si on est stressé, on peut se mettre un filtre par-dessus, un réglage dynamique désaturé. Mais moi, je trouve ça quand même assez important. Même si les couleurs sont pas très bonnes, il faut savoir apprendre à se dire « je vais les améliorer au fur et à mesure en faisant des réglages » et ainsi de suite. Trop de gens pensent au côté définitif de quand ils sont en train de poser une masse de couleurs. Bien, je vais peut-être fermer ce cac et revenir à ma composition initiale, avant de perdre trop de temps. Est-ce que tu enregistres tout ça? En général? Non, je... Ça veut dire que dans toutes tes images, il n'y a pas deux arbres identiques? Ah, j'essaye. Vraiment, non, ça jamais. Ou alors, là, peut-être pour une compo comme ça, je pourrais utiliser Starm. Par exemple, je vais montrer... Allez, je vais me remettre... Ah, le retour de la souris. Ouais. Ça, c'est pour les fans. Alors, il y a des discussions, là. Édition, copier avec fusion. Jonas Dereau pour les brosses. Broche pour pas de chichi. Alors, Jonas Dereau, si je suis bien renseigné, gère également le site photobash.org, qui est un excellent site de ressources photos. J'ai entendu parler de ça. Mais oui, alors, c'est eux, si je m'amuse à inclure des arbres, là, ça va pas le faire dans cette compo. Mais je peux très bien, des fois, quand même, m'en resservir, surtout sur des rapports de d'échelle. Premier plan, arrière-plan. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas alt, visiblement. Ok, et... Et personne ne saura que c'est le même arbre. Ouais, surtout avec le changement de couleur. Bon, là, on le voit quand même plutôt bien. Ouais, hein. il a... Mais il y a surtout cet outil, édition, transformation marionnette. Alors, attends, ça va peut-être changer. Ah non, déformation de la marionnette. Ouais, qui est assez magique pour ça. Ouais. Je suis content que tu le proposes, ça m'évitera de le montrer aux gens. Et c'est pour ça qu'en fait, la 3D a quelque chose d'intéressant dans sa logique, parce que ça, c'est une logique 3D, en fait. C'est-à-dire, j'ai un objet, je le déforme, je le manipule. Bon, après, là, voilà, la texture est déjà bousillée, mais après, je peux refaire... Tu peux te rajouter trois feuilles là où t'en as besoin. Ça, exactement, là où ça a été un peu trop déformé par interpolation. Et c'est quelque chose de très intéressant pour dupliquer des éléments. Je me suis pas gêné une fois, des endroits où il y a des palmiers, je peins un beau palmier, je le duplique une deuxième fois, je le tords dans tous les sens, je lui rajoute des ombres qui sont un peu plus appropriées, et ainsi de suite. On va revenir à des élémentaires de composition un peu plus sympas. Ok. Alors, ici, allez, je vais pas me mettre de premier plan, on va essayer de finir l'image quand même pas trop tard non plus. Quelle heure il est ? 16h40 ? 19h quand même. Je vais booster un petit peu le ciel. Non, mais on enlève toutes les coupures techniques et tout ça. J'essaierai de re-regarder la session pour vous mettre dans les descriptions le replay, les moments où on a fait où j'ai tourné autour de l'écran. Comme ça, vous saurez les moments où il nous a fait un one-man show de présentation et de j'essaye de garder la face alors que Franck fait n'importe quoi autour. et on se concentrera sur la partie dessin. Je vous mettrai tout ça dans la description. Alors, j'ai boosté un petit peu les couleurs, parce que de toute façon, je vais aller les abîmer un peu plus tard, à nouveau, encore, avec mes milliers de réglages différents. Ça, c'est Jason Shire. Comment? Jason Shire, aussi, qui nous a fait de la montagne rouge. Rouge. Ah, je pense qu'il ne faut pas hésiter, justement, des fois, avec les couleurs, à y aller vif. Les broches de Gregors, les broches de Marc Brunet. C'est bien parce que en fait tout le monde cite son set de broches perso. Ah, il y a Mickaël qui vient de découvrir la déformation de marionnette. Bravo Mickaël, bienvenue. Bienvenue sur Photoshop. Non, attends, c'est facile de le prendre de loin comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu zapper complètement. Ah ouais.
Sérieux ? Ouais. Donc dans le menu édition, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que les menus sont un tout petit peu pourris sur la recopie, dans le menu édition, au-dessus de transformation, vous avez la déformation de la marionnette. C'est ce truc qui fait apparaître le filet et où vous allez pouvoir punaiser, déplacer, décaler des éléments. Alors j'ai une bonne nouvelle, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous parlait d'Illustrator. Il y a la même chose dans Illustrator qui s'appelle Puppet Warp. Donc pareil, même nom. Je le précise en anglais, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à utiliser leur Photoshop en anglais. On ne sait jamais. Voilà. Je voudrais perdre personne. Alors là, je vais montrer un truc. Vas-y. Plein de gens vont peut-être s'énerver en disant « Mais c'est de la triche !» Mais c'est de la triche. Alors, allez, on va prendre la montagne. Je vais peut-être la booster un petit peu en luminosité. De toute façon, il y a Boost qui dit « Pourtant, la réut est un moyen de gagner du temps. » Non, c'est peut-être l'objectif. Je dis ça dans la mesure où j'idéalise un petit peu le métier de concept artiste et ce que réclame le process. Non, il a tout à fait raison. L'industrie, ouais. Il a tout à fait raison. Le but, c'est quand même de faire des choses qui ne sont pas forcément complètement finalisées. On est des concept artistes, on n'est pas là pour faire une galerie d'art hyper sophistiquée. Faut être malin. Tout en étant quand même un minimum respectueux des œuvres des autres. Mmh. Le but, c'est pas non plus de se servir du web comme une bibliothèque géante dans laquelle on peut tout pomper. Il faut amener sa part de créativité par rapport à tout ça. Là, je fais un petit travail de découpe, un petit peu en fait, pas de découpe de calque, mais de découpe de lisibilité pour rendre lisibles les éléments et peut-être aussi un poil simplifier la compo. Parce que même si c'est intéressant d'avoir un ciel dramatique, on n'est peut-être pas obligé d'avoir autant de détails à l'arrière. Ouais, c'est exactement ce que tu présentais au départ en ayant des grosses masses et ensuite tu affines un peu de détails. Là, tu fais le contraire. Tu avais pas mal de détails et tu repasses en voilà. Grosses masses. Donc on va faire pareil un peu pour ce qui se passe ici. Ah, tiens, merci Stéphane qui nous a posé le replay de la masterclass de Jason Shire. Donc vous pourrez retrouver dans les commentaires un petit peu plus tard. Si je ne me trompe pas, Jason Shire a un excellent Tumblr de référence qui est très intéressant. Il était intervenu l'an passé sur IA Mag, justement, où il a donné une conférence sur sa manière de travailler directement le concept et la couleur et faire du storytelling à partir de couleurs. Et c'était assez magique, à la fois sur IA Mag et aussi sur la session dont Stéphane vient de nous donner le petit lien. Alors là, je vais montrer une petite technique, un peu de triche. Allez, je vais zoomer un peu plus, que les gens voient bien ce qui va se passer. Bastien dit que c'est pas de la triche et que c'est un raccourci. Mais non. Il sait pas ce que j'ai fait encore. Peut-être qu'il va me faire un procès juste après. Ah, je duplique cette partie, qui est un petit peu, on va dire, une partie un peu complexe de la montagne. Non, je vais peut-être, pour que ce soit plus concret, je vais faire plutôt sur cette partie-là. Désolé. Je duplique une autre partie. Ouais. Attendez, Franck rebranche un câble. Non, je déconne. Alors, voilà, là j'ai cette partie que j'ai isolée. Et je vais aller dans filtre. Et c'est dans galerie de filtre. Mmh. Alors, la galerie de filtre qui est arrivée évidemment sur le deuxième écran, celui qui ne nous sert pas depuis tout à l'heure. Dans artistique. Et c'est. Non. Attends, normalement c'est découpage. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi il a mis. Voilà. Alors, le découpage, ça va postériser un peu notre image, là. Ça va la simplifier. En plusieurs niveaux de couleurs. Que je vais, alors, le problème, c'est qu'il n'y a que 8 niveaux maximum. Mm-hmm. D'un certain côté, c'est pas plus mal. Ça permet de resimplifier l'image en zone très franche, sans dégrader. Alors, après, ça à chacun de trouver. Un équilibre de couleurs, de détails qui permettent un peu de simplifier tout ça. Donc. Ouais, là c'est quoi ? C'est le niveau de bruit, la quantité de. Ouais, c'est donc ça. Donc les niveaux, la simplicité et la fidélité qui correspondraient en fait au niveau de déformation à l'intérieur de la Vecto. Donc là voilà, j'ai resimplifié un petit peu cette partie en vue de la repeindre. Donc après je suis obligé de l'utiliser telle qu'elle, surtout quand il y a des teintes qui viennent complètement sauter en fait de ce côté-là. Je vais effacer les parties un peu plus gênantes. Mais de toute façon, je pourrais complètement réinterpréter tout ça un peu plus facilement avec ma pipette, mes outils de peinture et ainsi de suite. Je vais refaire ça également sur une partie un peu plus basse. Mmh.
Myriabous qui est super frustré sur la Ré 8 parce qu'il dit en animation on nous demande de réutiliser un max par souci de planning et de quota, que c'est quand même pratique mais ça fait un peu ça l'embête un petit peu au niveau créa. Ça dépend si tu le rends visible ou non. Les Japonais sont quand même très doués pour réutiliser des séquences entières d'animation dans leurs animés. Sauf que voilà, tout est un rapport de narration et de comment tu l'inclus en fait. Bon là ça devient un peu laid, c'est pas super lisible. Mais je m'en fiche un peu, ça va être une base simplement de peinture. La gomme ne veut pas gommer. Parce que t'es pas sur le bon calque. Si. Alors, est-ce qu'elle garde les transparents? Non. Est-ce qu'elle est réglée à 200%, 100%? En plus, c'est quoi 0% là-bas? C'est le lissage, non? Voilà. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il veut pas? Attends, il serait pas en train de... Non, non, t'as pas de verrou, t'as pas de fond. Il y a peut-être des gens sur le chat qui sont en train de m'engueuler. Contrôle D. Des sélections. Ah, ouais. Bon, t'avais une sélection perdue quelque part, ouais. Et t'as dû masquer ta sélection il y a 2 heures, on sait pas pourquoi. Ok. Ça arrive. Ouais, non, mais on finit toujours par isoler le problème. Hein, c'est... Accident de process. Tu peux couper la clim devant? Oui, c'est vrai qu'il commence à faire froid maintenant. C'est ça, on est tombé à 21 degrés. Ce soir, c'est le rhume. Allez. Bon, bah maintenant je vais commencer à peindre un petit peu tout ça, et puis après je vais venir rajouter un poil plus de matière. J'ai peut-être quand même... Là, on a une image qui est peut-être intéressante, pas forcément au niveau des couleurs, mais en termes de composition. Mais on a un problème, c'est qu'au niveau des échelles, on ne comprend rien. C'est-à-dire, ça pourrait très bien être une falaise très très grande, et il pourrait y avoir une différence quasiment du simple au double en termes de distance entre les éléments. Donc, dans une compo comme celle-là, il nous faudrait un petit élément de détail qui nous permet de comprendre l'échelle et la valeur de chaque élément. Donc, je vais peut-être essayer de rajouter un élément d'architecture qui nous permet déjà un minimum de comprendre l'ensemble, parce que j'ai quand même pas mal bousillé et masqué les éléments qui étaient ici. Donc, je vais regarder un petit peu dans tout ce que j'ai un peu autour de tout ça. Là, c'est une structure que j'avais détourée. Et je vais... Je vais la réintégrer. La réintégrer, mais en tant que silhouette. Alors, où est-ce qu'on va la poser? Non, ça... Touchpad qui me gêne un petit peu. Ce calque. Il y a Cinéade qui nous dit, tiens, c'est marrant, j'avais toujours fui comme la peste les filtres artistiques, mais pour le coup, c'est super intéressant. Et oui. Ah bah, personnellement, je m'en sers quasiment jamais, mais celui-là, c'est juste un rapport de simplification, quoi. Donc, Ouais, parfois, ça fait partie d'un process que tu vois, que tu chopes en disant, tiens, ça c'est intéressant, et c'est l'occasion d'en profiter. Donc il y a pour Diane de Garny qui demande c'est quoi le filtre, donc c'est bien dans les filtres artistiques de Photoshop, dans la galerie de filtres, et c'est le filtre découpage. C'est cut out en anglais. Cut out. Il me semble. Je pense que tu as tout à fait raison. Voilà, je me mets une petite silhouette. Hop là. Ok. Allez, petite technique. Inspiré par celle de Bastien Grivet. On va venir rajouter un peu de la texture dans justement cette forme. Dans cette forme d'architecture. Je vais mettre sur un calque au-dessus. Voilà, là ici j'ai des formes vectorisées que je vais venir réintégrer en fait. Custom shape à l'intérieur de ma forme pour venir artificiellement rajouter du détail, de la matière, des parties d'archi que tu n'aurais pas eu envie de repeindre à la main, de toute façon ça ne serait pas forcément.
Je crois qu'on a une première réaction épidermique intéressante. C'est Boost qui nous dit voilà, j'ai envie de quitter le taf brutalement, rentrer chez moi pour Concept Arte. Merci. Voilà, je pense que c'était. On a atteint un objectif là. Eh ben vas-y, Boost. C'est quoi ton taf? C'était quoi ton taf? Ah, oui. Visiblement de l'animation avec de la réut. Comment? De l'animation avec de la réutilisation. Vu que ça le frustrait et tout ça. C'est ça. Le flou gaussien, je m'en sers un peu aussi, mais la galerie de filtre, j'ai pas remis les pieds dessus depuis. Depuis des années, bah ouais. Ben, personne en fait. Ouais, j'étais dans la même situation que tous ces gens, et à Rocksteady, j'ai vu un concept artiste qui en fait. Je vais montrer d'ailleurs comment il utilisait cette fonction. Allez, tiens, je vais ouvrir ça. Un concept artiste qui était spécialisé en chara design, et je trouvais qu'il faisait vachement bien les plis sur ses persos au niveau des vêtements. Mais, allez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, là on a un bon exemple de comment lui l'utiliser quand il était en train de designer. C'est-à-dire, il dessinait son personnage de A à Z, mais il avait besoin de textures un petit peu pour donner de la vie de façon intérieure à l'image de son personnage. Je vais dupliquer ça sur la calque. Je vais m'attraper ça. Et je trouvais qu'il faisait vachement bien les plis, la matière en fait, de façon générale, et surtout stylisé, sans qu'il y ait cet aspect trop réaliste. Et donc, à un moment, je lui ai dit, c'est marrant, j'arrive pas à savoir comment tu fais pour percevoir les volumes aussi bien de tes personnages. Et bien, tout de suite, il m'a montré ça, il m'a montré qu'il avait inclus un pantalon, et il est parti dans Galerie de filtres. Et donc, voilà, on avait quelque chose, alors ça dépend comment on met le niveau de contrôle, mais voilà, on a quelque chose tout de suite qui vient styliser. C'est surtout très intéressant quand on a des formes très angulaires, en fait, notamment les plis. C'est-à-dire, ça va très mal marcher sur un visage, sur des mains avec des volumes très complexes et détaillés. Mais pour ce qui est drapé, c'était vraiment très intéressant. Et moi, d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être commencer à essayer de faire ça avec la végétation et surtout la roche, qui a des fois ses besoins de simplification et de stylisation très angulaire, en fait. Ouais, alors après, des plans super découpés, avec de la gestion de la lumière. Ouais, mais alors voilà, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que quand même, malgré tout, le filtre découpage, là, les arêtes, enfin, tout ce qui est l'interpolation, là, c'est assez dégueulasse. Donc, vaut mieux le faire sur une résolution double que ce qu'on a prévu de faire, de façon générale. Là, moi, je m'en fiche, je suis sur du concept un peu bourrin, donc je vous montre rapidement les bases. Mais quand même, on voit clairement, je vais résumer pour tout le monde, pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà, ici, on a vraiment l'effet d'escalier qui est assez terrible. Hein. C'est pas seulement parce qu'on est dans une résolution assez fragile. C'est que le découpage fait ça quand même de façon un peu bourrin et un peu limitée. Je crois que c'est un filtre quand même qui date d'il y a plusieurs. Presque 10 ans au moins. Donc c'est pas forcément un truc qui était prévu pour la HD et de nombreux niveaux de couleurs. Autre chose, c'est qu'aussi, il est important, une fois qu'on a fait le découpage, c'est que comme il fait une moyenne des couleurs, et ben ça devient assez désaturé. Donc je recommande vraiment de passer ensuite à un boost de couleur général, voire avec le remplacement de couleurs pour retrouver une autre ambiance, surtout sur les lumières, en particulier quoi. Exemple. De toute façon. Il y a des gens qui travaillent en nous regardant. Ah ouais, ils sont très contents. C'est très rigolo cette chute de. Je sais pas ce qui s'est passé précisément à 4h15, mais alors à 4h15, tout le monde est parti d'un coup. C'était l'heure de goûter. Là, en tout cas, les stats ont planté à 4h15. Tout le monde est revenu. Hein. Ça, c'est sympa. Les enfants sont de l'école. Il doit y avoir un truc, tu sais, un bus qui passe et qui brouille les ondes. Bon, en plus de ça, je vais quand même peut-être aller montrer quand même l'incursion d'un personnage dans cette composition. Ouais, non, je vais d'abord finir l'ensemble, parce que quand même, on commence à tirer sur la corde au niveau horaire. On fait plein de trucs. Hein. Ouais, on fait plein de trucs. On vous avait promis 1h30 à 2h de Sylvain, vous avez eu 3h. Et c'est pas fini, il a pas fini, il va faire encore plein de choses, il va jamais s'arrêter. Ouais, et moi j'ai pas eu mon goûter. Eh ouais. Alors. Mais t'as déjà eu le déjeuner. J'ai eu un verre d'eau, ouais. Écoute, on est à. C'est un peu une espèce de sorte de prison perdue, coincée en haut d'une falaise. Ouais, le Alcatraz tibétain. C'est ça, c'est nous. Alors, attends, j'ai de la pipette qui ne marche pas, je vais juste la paramétrer très rapidement sur l'outil Wacom.
Franck, si tu peux meubler en attendant, parle-nous de ton expérience. Je vais vous parler de mon expérience d'animer des sessions avec tout le monde. Là, tu es en train de chercher à récupérer ton outil Wacom. Je continue de lire un petit peu les commentaires. Donc, tout le monde trouve que c'est quasiment plus furtif le cut-out que le photobash. Y a des gens qui arrivent et qui reviennent. Edouard est super content d'avoir deux écrans pour pouvoir nous suivre en direct et en différé et pour pouvoir bosser derrière. Ça fait des trucs super cool. Qu'est-ce qui se passe encore? Du ZBrush au boulot, mais pas trop, mais trop envie de faire du paint maintenant. Et oui. Tiens, je vais profiter d'un truc. Pendant que tu es en train de régler ta Wacom, je vais faire un petit quelque chose qu'on a fait ce matin. Pour ceux qui étaient là ce matin, on a profité en fait de la session pour lancer ce qu'on appelle un giveaway, faire des cadeaux aux gens, parce que ça nous fait plaisir de faire des cadeaux aux gens. Mais comme on n'a pas fait n'importe quoi comme cadeau aux gens, on leur a proposé de gagner une place, et une place c'est quand même de la belle place, pour un événement qui dure pendant 3 jours, durant lequel Sylvain intervient. Donc déjà, il faut commenter dans le chat pour nous dire non seulement bonjour, mais il va falloir nous dire au niveau du mot-clé, le nom de la conférence à laquelle Sylvain participe et qui va nous permettre de vous identifier, de savoir si vous venez. Et si vous êtes là pour les 3 prochains jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, ça a lieu sur Paris. Et comment s'appelle cette conférence? C'est pas très long comme mot et j'accepterai les majuscules et les minuscules même si je suis pas sûr. Si, c'est insensible au changement de casse. Donc allez-y, comment s'appelle cette conférence? Tadadam. Et là, il n'y a plus personne dans le chat. Ils sont partis pour de vrai, pour le goûter, comme on était en train d'en parler tout à l'heure. Non, je vérifie. Non, vous êtes toujours là. Ça aille. Un cadeau, ouais, mais bien sûr que vous avez un cadeau. Ils sont gentils. Vous avez peut-être un cadeau. On est gentil, on est bien organisé surtout. C'est limité à combien de cadeaux? C'est limité à combien de quoi? Alors, on a un cadeau là. Ah. On a un cadeau par conf, c'est déjà plutôt pas mal. Ah, il y a Atnadjoy qui a super envie de venir, parce que c'est déjà lui qui avait réussi à trouver le nom de Kazuoga pour les décors de chez Ghibli tout à l'heure. Alors je vois que vous êtes quelques-uns à être prêts à venir. Et voilà, ouais. Ouais, si vous n'êtes pas sur Paris, ça sert à rien. Si vous êtes Cassis, ça sert à rien. Alors je précise, pour ceux qui penseraient que je suis très méchant avec Cassis Live, il va être avec nous pendant 3 jours, il est déjà venu, et il y a 2 ans, il a gagné genre 3 trucs d'affilée comme ça. Il a un bol monstre. Vous êtes prêts? Je pense que vous avez été assez nombreux à réagir. Ouais. Combien de temps je vous laisse encore pour vivre sur cette envie de participer? Pas mal. Bastien, vas-tu gagner ta place à Yamag? Oh, hop, ouais, mais ça c'est dans 30 secondes. Donc à partir de maintenant, vu que je viens de vous donner le truc, vous êtes prêts? Bien sûr, il n'y a pas le droit de gagner. Il fallait deviner que c'était Yamag et je vais lancer le Nightbot. Et Nightbot vient de décider que ce serait donc Marlène Philly qui nous rejoindrait à Yamag. Et oui, encore une Marlène, dit Marlène. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Merci à Marlène de me contacter directement sur mon Behance, dont je te remets l'adresse là derrière. Je sais, c'est un peu chelou de mettre l'adresse de mon Behance plutôt que mon adresse mail à tout le monde, mais voilà. Check. Ça permet de faire les choses proprement. Tac, tac. Bon, là, je suis en train de simplifier un petit peu. La compo, lui donner un petit cachet un peu plus illustration. Alors, tout le monde a envie que ce soit Bastien et Cassis qui gagnent. Bastien a déjà gagné. Non mais Bastien il gagne beaucoup, Cassis il gagne énormément. Et pendant ce temps-là, la montagne avance, enfin si je puis me permettre. Bastien il gagne beaucoup d'argent avec l'art tweet. Alors il y a Victor qui va être super déçu. Parce que pour le coup, c'est pas lui qui a gagné. Il dit, mais c'est quoi le cadeau? C'est 3 jours à Yamag. Il faudrait, tu sais quoi, Bastien? Il faudrait que tu viennes et qu'on fasse gagner des places à Art Weekend. Ça, ce serait super sympa. Mais il n'y a plus de place.
iamag.co. Je vais vous donner le lien des masterclass qui démarrent à partir de demain, sur lesquels on aura des interventions eh bien, de Sylvain, ici présent, de JB Monge, Jean-Baptiste Monge qui était avec nous ce matin, de Bastien Grivet sera dans les parages, Cassis aussi, enfin il y a pas mal de gens sympas qui viennent en prendre plein les yeux au niveau des dessins, au niveau des images, etc., etc. Bref, je pense que ça devrait faire plaisir à tout le monde. Voilà. Et il y a même des gens qui viennent que le samedi. Ok. Du coup, on va pouvoir revenir... on va pouvoir reprendre une conversation un petit peu plus orientée avec des questions. Il y a Dana qui dit, est-ce qu'il y a une différence entre la peinture classique et celle destinée au cinéma ? Ça dépend. Si tu bosses pour un galeriste en termes de simplement artiste peintre qui vient des beaux-arts et tout, c'est pas du tout le même processus, surtout dans tout ce qui est l'art contemporain, ce genre de choses. Je pense que la recherche n'a rien à voir. Par contre, pour le cinéma et son ensemble, il est très important d'avoir un très gros bagage technique et pas juste une part de recherche créative comme c'est le cas souvent dans l'art contemporain. C'est-à-dire dans l'art contemporain, on n'a pas forcément des maîtres illustrateurs en fait qui sont forcément des génies en anatomie ou ce genre de choses. Mais après, par contre, dans la pratique de la peinture elle-même, tradie ou non, le cinéma a énormément bossé avec les peintres traditionnels pour tout ce qui est made painting, background, trompe-l'œil, en arrière dans les films ou ce genre de choses, même fenêtres sur cour ou d'autres vieux films comme ça, travailler avec les illustrateurs. Nous, on est les peintres, on est à peu près la... Nous, concept artistes, on est un peu la suite de ce métier-là grâce au numérique. Donc je sais pas si ça répond à ta question exactement d'un point de vue purement technique. Je sais pas. Hein. Bon, je suis en train de retaper tout ça. Tranquillement, essayer de donner un peu de vie, de vie illustrative à cette montagne. Il y a cette pauvre Marlène qui nous dit qu'elle gagne jamais d'habitude, mais là c'est vrai, hein. Si jamais tu nous regardes dans 30 secondes, tu auras l'info. Oui, oui, tu as bien gagné. Il faut vraiment que tu me contactes via mon Behance, dont j'ai mis le lien 6 km plus haut. Et voilà, c'est juste pour valider avec toi, pour qu'il n'y ait pas plein de Marlène Philippe qui se pointent demain matin. Plein de Marlène Philippe. Plein de Marlène Philippe. Méfiez-vous des Marlène Philippe. C'est ça, c'est ça. Alors, pendant ce temps-là, ça continue de discuter. L'animation japonaise continue ses background tradis. Oui, on s'en fiche, c'est vrai, mais j'aimerais bien le savoir. Ouais, ouais, ça dépend vraiment des... ça dépend des prods, en fait. Parce que, comme d'hab, hein, y a des contraintes de temps. Mine de rien, quand tu fais du tradis, ça demande pas mal de temps de nettoyage, de clean, puis de scan, puis de rééclairage, puis de renettoyage derrière. Et quand tu fais du numérique, ben, parfois tu te permets des réhutes, parfois tu te permets d'avancer dessus. Là, on voit que tu es en train de redécouper le haut de la montagne et de nous remettre de l'ombre, de nuages sur le sommet. Ouais, avec un petit peu de grain peinture. Ben, aussi un truc, c'est que s'il y a encore des animés japonais qui utilisent les backgrounds tradis, bon, déjà, il y a la volonté du choix artistique, mais c'est qu'il y a aussi y a un cœur de métier de gens qui ont maintenant 60-50 ans, qui ne sont pas formés au numérique, et qui sont déjà tellement des maîtres avec le tradis qu'il y a... aucune raison de forcément les forcer à tout ça, à part le fait que c'est quand même beaucoup plus facile à intégrer du numérique dans un film que du tradi, quoi. Après, moi, je suis vraiment pas un expert sur le sujet. Ouais, de façon générale, moi, je pense que le tradi et le numérique devraient pas s'opposer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de films maintenant qui mélangent les deux, surtout pour tout ce qui est animation assez intéressante, même au niveau de la stop motion. On a de la 2, on a de la 3D mélangé avec justement de l'animation pas tellement les traditionnelles. Des fois même l'animation Lego par exemple, qui est un truc complètement full 3D, ils ont retiré des frames exprès à la fréquence d'image pour donner cet aspect tradi en fait. Et ça c'est super intéressant. Ouais, j'avais vu gérer ce truc-là. Ben là, on a un outil chez Adobe qui s'appelle Character Animator. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc. Où en gros, tu dessines
tu designes un personnage et tu le designes comme pour de l'animation, c'est-à-dire tu vas faire un fond de personnage, tu vas faire une série d'yeux, des bouches pour le lip-sync, et derrière en fait t'as tout le moteur de t'as tout un moteur qui va gérer à la fois les mouvements du personnage, ses épaules, ses bras, etc., qui va faire la lip-sync sur ta voix et sur ta bouche, qui va récupérer les sourcils, les expressions, et ça fait des rendus absolument exceptionnels. Et le truc, c'est qu'ils ont géré le moteur vraiment pour le faire sur de la vidéo, mais aussi sur de l'anime, et du coup, ils ont le truc aussi de tomber à 12 images par seconde pour donner ce rendu plus anime, et ils ont aussi le truc où quand ton personnage se déplace sur son siège de droite à gauche, tu vas pouvoir lui dire bah, j'aimerais bien avoir un déplacement du personnage sur 3 images par seconde, alors que la bouche continue d'être un peu plus synchro. Et ça retrouve un petit peu tout le côté plastiline de ce que faisait par exemple Hardman quand ils font du Wallace et Gromit, où, bah oui, eux, ils le faisaient pour de vrai en tradi, et ils passaient des mois et des mois à faire ça. Là, tu peux le faire en live. Avec ça, ils avaient fait des sessions sur chez Stephen Colbert, avec le cartoon Trump, qui est assez rigolo, ou les Simpsons en live. Il y a eu une partie d'épisode des Simpsons, ils ont fait 10 minutes en live, les mecs étaient complètement ouf, et ils ont réutilisé un peu tout ça, mais c'était des calques Photoshop, mais de taré, quoi. Hop. On a pas fait un truc avec Trump aussi avec ça. Si, si, c'est le cartoon Trump qui est passé chez Steven. Ouais, cartoon Trump, les Simpsons, et voilà. Cherchez hein, sur YouTube cartoon Trump, Stephen Colbert. J'espère que vous en profiterez et que ça vous plaira. Ouais, on parle de Trump sur Adobe. C'est ça, on parle de cartoon sur Adobe. Ah, ça va. Mais il y avait du cartoon Hillary et du cartoon Poutine. Hein, voilà. Alors, on a parlé de Poutine, mais pendant le déjeuner, parce que ce matin, c'était JB Monge qui vient du Québec. Mais rien à voir. C'était pas du tout ce président russe. Non, il est pas du tout québécois. Il est québécois de Nantes. Ah, c'est un bon. Hein. C'est ça. C'est un émigré. Il vient conquérir le nouveau monde. Alors, il y a des questions aussi. Est-ce qu'il y a du job en concept art? Et si on arrive à en faire son métier, est-ce qu'on arrive à tenir la distance? Alors... Perso, moi je dis souvent que c'est l'inverse d'un jeu vidéo, ça commence par le boss de fin, c'est-à-dire le plus dur, c'est-à-dire trouver du boulot, avoir une audience, avoir des contacts et surtout se faire soi-même un bon portfolio. Et une fois que c'est lancé, une fois que c'est démarré, et surtout si on fait pas trop le con sur internet et qu'on arrive à mettre à jour son portfolio fréquemment, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que moi personnellement je reçois à peu près entre 5 et 10 propositions par jour, tous les jours. C'est déjà très dur d'y répondre, juste de dire oui ou non, d'estimer, parce que souvent quand je dis oui ou non, c'est faut que j'estime malgré tout derrière des devis et ce genre de choses. Mais oui, c'est-à-dire que quand ça se met à fonctionner, ça peut aller très vite et on peut avoir des propositions vraiment très intéressantes. On peut en vivre assez confortablement. C'est pas un métier où on deviendra riche comme avec une piscine à débordement forcément dès l'âge de 30 ans, mais c'est tout à fait faisable et c'est quand même un des métiers les mieux rémunérés dans la chaîne de production de films et jeux vidéo, en tout cas. Après, voilà, ça dépend aussi de votre... On peut être quelqu'un de particulièrement talentueux, mais si on n'existe pas sur Internet, et c'est pas forcément une question de faire du marketing, mais c'est-à-dire que si on n'arrive pas à présenter son travail et à le présenter bien, de façon à ce que ça intéresse les gens, ça peut être un échec. Donc il y a des gens qui vont parfois être très aigris dans ce milieu-là, mais c'est simplement qu'ils communiquent très mal, ou alors ils produisent des choses qui sont très techniquement parfaites, mais qui sont absolument pas adaptées à l'industrie généraliste des jeux vidéo et du cinéma. Moi, personnellement, j'en ai vécu bien correctement là sur les 3 dernières années, ce qui m'a permis justement d'avoir un petit peu de fond d'avance pour... Pour lancer Forest of Liars. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, après, ça va dépendre aussi des gens, hein, les rapports sociaux qu'ils entretiennent avec les clients. Il suffit pas seulement d'être doué, d'avoir un bon portfolio, il faut ensuite faire un énorme travail d'empathie pour bien comprendre ce que veut le client. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les anglo-saxons et les américains. Parce qu'on a des briefs souvent très courts, très brefs, mais c'est-à-dire tout de suite on comprend clairement ce qu'il y a derrière. Les clients français sont plus bavards, ont besoin de mettre plus de sécurité derrière, et des fois justement c'est encore plus dur de comprendre parce qu'on est noyé sous les informations, sous des références un peu reloues. Voilà. Après,
Ce qui est très important, c'est que si vous êtes français, si vous êtes francophone, il faut vraiment être anglophone également. Pas forcément parfaitement, moi, c'est-à-dire je parle anglais, c'est catastrophique. Vous pourrez le voir demain, il y a Max qui y seront. Mais malgré tout, j'arrive à rédiger tous mes mails et j'arrive à comprendre tous les briefs anglais sans aucun problème, quoi. Merci les séries piratées sur Internet et les sous-titres en anglais, quoi. Voilà, c'est la France a clairement de quoi vous faire bosser en tant que concept artiste, mais simplement il faut que vous soyez reconnu à l'international pour que ça fonctionne quand même un petit peu. Et il y a quand même un truc que j'en remarque qui est assez étrange, c'est que aller chercher du boulot près d'un studio, ça vous met dans une situation déjà d'infériorité par rapport à lui. Alors que quand le studio vient vous chercher, je vous promets que là, les négociations sur les prix, ça passe beaucoup mieux, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire valoir son talent, sa qualité, sa capacité à amener des choses intéressantes dans une industrie par une originalité. Moi, je sais que ce n'est pas forcément par rapport à ma performance technique, c'est surtout par rapport à mes couleurs, qui rappellent énormément beaucoup de dessins animés et qui amènent un exotisme aussi à toutes ces productions québécoises et anglaises qui sont généralement basées sur des couleurs ou des choses qui sont beaucoup plus classiques et qui ont baigné pendant les 20 dernières années de design gris, marronas et tout. Après, peut-être que dans 5 ans, je serai complètement ringard avec mes couleurs ou ce genre de choses et qu'il faudra que je me renouvelle. Et alors, est-ce que tu seras prêt à le faire? Est-ce que tu seras prêt à te renouveler dans 5 ans? Eh bien, ça dépend. Si j'ai trouvé une situation qui m'intéresse, qui me plaît créativement avec mon propre studio, et que c'est moi qui, à partir de ce moment-là, décide un peu de tout ça, pas forcément, quoi. Mais ça dépend de vous. Moi, je sais que les 10 premières années de ma vie sont quand même été un moment où je me suis quand même vachement cherché. Et j'ai pas été concept artiste en sortant de l'école. Moi, j'insiste sur le fait que même si c'est possible de devenir concept artiste en sortant de l'école, c'est pas du tout un standard, hein. C'est-à-dire de base, faut quand même passer dans l'industrie sur, je sais pas, de la modélisation 3D, de la préparation d'assets, de remplissage d'aplats, pour la comprendre, cette industrie déjà, pour être professionnel d'un point de vue relationnel. Et la créativité et la culture d'un concept artiste, ça demande de la maturation, quoi. Ça demande du temps. Et donc moi, si j'ai commencé vraiment à vivre du concept art, c'est après 5 ans de vie professionnelle mélangée entre le motion design, l'architecture, la bande dessinée. Alors il y a Bastien qui dit, en plus les Américains ont le budget, mais moi je dirais que c'est pas qu'ils l'ont, c'est surtout qu'ils le mettent. Oui. On peut l'avoir et pas forcément le mettre au niveau de l'artistique, mais le décider de le placer dans les VFX ou dans la com à la fin, ou ça peut être un choix, non aussi. Ouais, voilà. C'est non, mais il y a, c'est-à-dire que les Français, je pense qu'ils ont quand même le budget, mais il y a plus un rapport de, c'est-à-dire généralement c'est souvent fait en interne où il y a un rapport. C'est très salarial, en fait, le rapport à la production. Alors que les Américains, je pense que c'est peut-être à cause de la Silicon Valley et qu'il y a des gros studios comme Sony, DreamWorks et tout qui sont autour de San Francisco. Il y a un rapport au travail maintenant qui s'est élargi, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur de s'adresser à des freelances sur Internet et aller chercher la créativité un peu partout. Ils ont besoin d'être extrêmement concurrentiels. Alors qu'en France, on n'est pas encore dans un... Ça va peut-être arriver, hein, parce que de toute façon, les États-Unis ont toujours 10 ans d'avance sur pas mal de points. Pas forcément en termes de société, mais d'un point de vue économique sur l'Europe. Et on va peut-être commencer à se former à ça. Après, il y a beaucoup de gens qui tapent sur la France de ce côté-là, mais moi, j'ai travaillé avec des studios français, et ça s'est très très bien passé. C'est simplement qu'il faut aussi savoir les choisir. Des fois, on reçoit des mails d'interlocuteurs, on comprend tout de suite qu'il y a une embrouille, parce que quand quelqu'un vous contacte avec un mail et vous dit « rappelez-moi tout de suite maintenant, on a besoin de vous », ce genre de choses, sans le moindre brief, et quand on demande avant de téléphoner un brief par papier, quand on dit non mais ce sera plus simple par téléphone, il y a de grandes chances qu'on tombe sur quelqu'un qui veuille vous tenir la jambe tellement il est persuadé d'avoir la meilleure idée du monde et qui compte justement vous demander, du fait qu'il a la meilleure idée du monde, vous payez vachement moins, et parce que c'est soi-disant son projet est génial, quoi. C'est ça. Donc ouais, souvent il faut être capable aussi de d'écouter ces alertes, genre oula, ouais, ça sent le mauvais plan, ça sent le truc où tu vas passer pas mal de temps. Et alors tu parlais d'empathie tout à l'heure, mais parfois, faut pas que ce soit au détriment non plus de ce que toi, tu crées. Je vais dire un truc un peu violent, mais c'est-à-dire que des fois, quand on est à la sortie des écoles,
entre trouver un poste qui va nous cloisonner et va nous brider notre créativité. Qui va nous brider notre créativité, c'est-à-dire parce qu'on, malgré le fait qu'on est censé faire notre cœur de métier, c'est-à-dire graphiste, je sais pas, ou motion designer, ou illustrateur, mais sauf qu'on va faire des trucs absolument immondes parce que là, quand je dis immonde, ou alors pas jojo, mais qu'on n'a pas envie de mettre dans son portfolio parce que justement c'est du travail de production à la chaîne qui n'est pas forcément très intéressant, on va peut-être gagner son salaire. Mais par contre, on ne va pas s'épanouir créativement et surtout, on ne sera pas démarchable sur le marché de l'emploi parce qu'on n'aura rien à montrer de très intéressant. Et des fois, il vaut peut-être mieux bosser au McDo, je sais pas, à mi-temps ou deux tiers-temps ou ce genre de choses, pour se garder un temps de travail pour pouvoir remplir son portfolio plutôt que justement de rester cloisonné dans une boîte qui, même si nous apporte un salaire, un minimum vital, va nous empêcher justement d'en sortir parce qu'on n'aura jamais le temps de produire ce qu'il faut pour se faire reconnaître sur le marché en fait. Ouais, et puis tu auras peut-être tendance aussi dans une boîte moyennement créative à t'épuiser créativement et du coup le soir vouloir faire autre chose. Voilà, alors c'est que ça. Si tu fais facteur, chauffeur de bus ou pompiste, le soir t'as envie de faire autre chose et autre chose ça peut être la créa, ça peut être du concept. Voilà. Exactement. Alors il y a une question qui disait tiens mais on est bien obligé de démarcher pour commencer cette activité et qui complète l'autre question qui disait mais comment tu nous conseillerais faire notre pub sur le net, réseaux sociaux pour cibler un max de monde, payer tout ça. Alors je pense qu'on est bien obligé de démarcher pour du salariat, ça c'est tout à fait normal, on répond à des appels d'offres de recrutement ou ce genre de choses. Pour le freelance, je vous cache pas que moi j'ai démarché pendant 3 ans en parallèle que je faisais de la bande dessinée et quelle que soit la qualité de mes dessins, rien ne se passait derrière tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'ils balancent peut-être l'annonce qu'ils recherchent quelqu'un, ou des fois même, de toute façon, ils l'ont déjà trouvé très rapidement via leur contact ou en interne. Et en fait, voilà, le fait d'arriver, en fait, c'est con, moi je trouve ça profondément injuste, mais quand on va les voir, et en leur demandant du travail, ils ont l'impression qu'on est un peu des chiens de la casse, quoi. Je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais c'est ce que ça renvoie à beaucoup d'imprimeurs, de recruteurs traditionnels. Et justement, c'est-à-dire quelqu'un qui justement va peut-être un peu va regarder ça avec de la distance, tel un infographiste qui est déjà débordé par les contrats, et ben ils vont plus désirer l'obtenir justement quoi. Moi, je le regrette, mais il y a des fois un système un peu de starification hein, dans ce métier, quoi. C'est du travail artistique, donc forcément, c'est un peu inhérent. L'ego se mélange. Il y a des grands noms, ce genre de trucs, alors qu'il y a des gens qui sont complètement inconnus, qui sont mille fois plus talentueux. Mais voilà, c'est aussi un rapport, c'est-à-dire plusieurs boîtes désirent ce mec-là. Il faut absolument qu'on l'ait nous aussi, tu vois. Moi, je dis pas que j'en suis là, hein, dans tous les cas. Parce que est-ce que justement, malgré tout, cette idée de plusieurs le désir, il faut qu'on l'ait, c'est aussi parce que le désir, elles l'ont eu et ça a marché et ça a eu un rendu spécifique qui donne envie de. Alors, ce désir, justement, aussi, moi, je l'ai observé. C'est pas grâce à l'architecture que je me suis fait recruter. C'est justement en faisant la bande dessinée, en faisant quelque chose qui me plaisait. Et donc, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on arrive à le produire avec plus de sérénité et justement, on y met tout notre cœur. Moi, c'est ces images qui ont été faites avec le plus de cœur possible qui m'ont permis d'avoir justement énormément de travail par la suite dans les métiers du concept art. Très bien. Je sens qu'on commence à s'approcher de quelque chose là sur l'image. Ouais. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, je vais aller dans la facilité. Je vais essayer de me rajouter un petit personnage très rapidement pour pouvoir. L'illustration est très loin d'être finalisée, mais on va pas pouvoir non plus rester toute la soirée dessus. Je vais juste donner un rapport d'échelle minimum dans tout ça, quoi. Ouais, ce que tu avais déjà fait sur la partie architecture, mais du coup, tu vas rajouter du perso. Très rapidement. C'est vraiment. Alors, est-ce que tu as une brosse avec un petit bonhomme ou est-ce que tu vas chercher un. Jamais. Jamais ? C'est vraiment que des. J'ai rien contre, mais j'ai jamais trouvé une brosse qui fait quelque chose d'élégant parce qu'un personnage, c'est quand même en perspective, c'est organique, c'est mouvant, c'est vivant et ça doit s'adapter à la compo, ouais, c'est ça. Faut que ça oriente son regard vers quelque chose. Donc là, je vais essayer de me faire un premier plan. Est-ce que tu as une idée du pourcentage de l'importance des relations versus compétences pour trouver du freelance ? Voilà. C'est pas chiffrable, ça dépend complètement de ce que tu vas faire. Moi, depuis Toulouse, je connaissais personne, vraiment personne. Ça a été, à force de mettre mes images sur DeviantArt, à l'époque où il n'y avait pas encore ArtStation, que j'ai réussi
à me faire doucement remarquer. Et quand je dis remarquer, c'est pas percer comme un rappeur dans les labels, quoi, mais c'est voilà, j'ai je pense pas que les des relations de il y a pas de vraiment de réel copinage, parce que ça met en porte-à-faux les gens, le copinage d'un point de vue artistique. Il y en a vraiment, des fois il y a le fils de machin qui on est obligé de le prendre sur une production, ça fait chier le monde entier. Il est nul à chier et en plus il a un caractère de merde, voilà. Mais de façon générale, quand moi quand je travaille chez Rocksteady ou genre un truc et qu'ils disent qu'ils recrutent un concept artiste, je vais pas mettre en porte-à-faux avec un mec qui est juste mon pote par rapport au recrutement, parce que j'ai ma réputation va être dépendante aussi de tout ça, quoi. C'est-à-dire je m'engage pour lui, quoi. Donc si je conseille des gens, c'est des gens que je trouve talentueux et humainement assez intéressants, en plus qu'ils vont pas foutre en donner des risques qui vont pas casser une équipe parce qu'ils sont de mauvaise humeur ce matin là ouais, voilà. Moi je sais que régulièrement, hein, comme j'ai souvent des demandes que je peux absolument pas gérer, je les renvoie vers différents amis de confiance, parce que je sais qu'ils produisent très bien, qu'ils sont sérieux, qu'ils ont du bagage et qu'ils vont pas les s'embrouiller à insulter le client parce que on n'a pas aimé leur composition, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut un peu de relation, un peu de talent, un peu de courtoisie et de savoir-être, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-vivre. Il faut pas mal de trucs quand même, hein. Ouais, ben après tout ça s'apprend. On est artiste et on est censé avoir de l'empathie parce qu'on est censé faire des dessins pour les autres aussi. On fait des arts, on est dans l'art appliqué. Le but, c'est pas de nous auto-exclure par un style clivant ou ce genre de choses. C'est justement, on est là pour communiquer. Nos images, elles sont là pour échanger. Donc déjà, si humainement, on a du mal à comprendre les émotions et les sensations des autres, ça va être dur de les retranscrire quand ils nous demanderont, quand ils nous enverront un brief ou ce genre de choses. Carrément. Je parle un peu en roue libre parce que je dessine en même temps, c'est un peu dur de se concentrer. Non, c'est pas grave, il y a ton... je fais une syntaxe... Il y a ton ninja qui arrive, tout va bien. Alors, un exemple, moi j'aime beaucoup aller chercher mes références de pose humaine, de silhouette, dans tout ce qui est streetwear. Parce que les modèles sont généralement dans des poses, c'est-à-dire des images clés assez, assez élégantes, assez dynamiques, assez posées. Il y a du poids, en fait, dans tout ça. Je change de valeur ici. Il y a du poids, c'est assez solide, et bon, c'est, au niveau du style, c'est quand même un peu plus urbain et crédible. On est loin de mannequins qui prennent des poses très sexualisées ou ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup aussi le côté un peu parcours, quoi. C'est-à-dire, généralement, quand les personnages, on sent qu'ils sont capables de sauter et courir dans les secondes qui viennent. Comme des acrobates. Ouais, voilà. Donc, le streetwear, c'est vraiment, vraiment top pour les références. J'ai toujours le petit glissement du trackpad. Allez, à fond sur les chaînes. Le personnage n'est pas un sujet de cette image. Donc, il faut qu'il soit vraiment mineur. Il va venir conquérir le château en face. Ouais, ou alors il vient d'arriver, il est crevé, hein, j'en sais rien, tu vois, il a plus d'eau dans sa gourde. On peut s'inventer l'histoire. J'aime bien le thème que tu viens de poser. Là. Ça t'est déjà arrivé à Paris, non, c'est ça ? Non, le plus d'eau dans sa gourde, ça répond à Okir qui inspire Bastien. Et Bastien qui nous dit, il faut être la personne qu'on rêve de rencontrer. Ouais. Je pense que j'en aurais marre de mes vannes, moi, si je me rencontrais. Je chambre tellement tout le monde, surtout dans l'atelier. Où sont les outils de densité plus et non, on les a enlevés de cette version-là. Pourquoi? De la version CC 2018 de Photoshop. Non, c'est juste que dans l'espace de travail, ouais. En fait, remets-toi en mode indispensable, tu seras peut-être plus à l'aise. Clique là, ouais, espace de travail, indispensable. Parce que sur la peinture, tu vois, en bas de ton Photoshop, tout en bas de ton panneau, t'as trois petits points en dessous de la loupe. Ouais, d'accord. Et là, tu peux ranger plein d'autres outils. Ah, tu peux dire, bah, j'aimerais bien foutre tel outil à tel endroit. Et ils se sont dit que les peintres, ou les concept artistes, n'utilisaient peut-être pas la densité plus et moins. Bah, mais ils ne connaissent pas. Avant, j'utilisais pas du tout. Je l'utilisais jamais avec protéger les tons. Mais voilà, pour venir donner un petit peu de volume à une surface, une base de couleur... c'est quand même assez utile. Edouard nous dit très clairement, une mauvaise réputation, ça se fait beaucoup plus vite qu'une bonne.
Et là, j'ai un commercial qui me disait, mais tu sais, la réputation d'une marque, ça se fait marche à marche, pas à pas dans l'escalier, et la descente, c'est par l'ascenseur ou par la fenêtre. Ben ouais, il suffit de voir les shitstorms sur Internet. Hein. Je pense que plus beaucoup de gens ont envie de bosser avec... comment il s'appelle ce romancier Terry Gunkine. Terry Gunkine. Je sais pas qui c'est. T'as pas vu la polémique ? Ah, j'ai dû rater un truc. Il a commandé une illustration, je ne me rappelle plus le nom de l'illustrateur, qui est un illustrateur français, Bastien. Enfin voilà, et en fait, il n'a pas été content du tout de l'illustration, et au lieu de s'en entretenir avec l'éditeur, il est allé afficher l'illustration sur Facebook en disant que c'était horrible. Il a dit amusons-nous un bon coup en nous moquant de cette illustration, on va voter en plus et tout. Et donc, sans même prévenir l'illustrateur, aucun échange, rien du tout. Enfin, quelque chose d'une élégance incroyable. Wow. Et donc, l'illustrateur lui a dit ben merci, c'est très sympa comme réaction. Je pense qu'on n'aura plus jamais l'occasion de bosser ensemble, en tout cas. Et l'autre, l'auteur du roman a mis ensuite un vague mot d'excuse pour ensuite recommencer plus tard avec des vidéos de son chien qui lèche la couverture, en en rajoutant des pièces. J'ai pas vu passer cette chose. Ah si, si, c'est effectivement Bastien Lecouf, nous dit Bastien. Alors là, je vais ajouter un petit peu de matière à ma falaise. À ta falaise, histoire qu'elle reste quand même un petit peu dans le thème. Ouais. Alors, ce qu'il y a de ouf, c'est quand même que sur la recopie, on n'a pas une résolution de taré, mais ça rend vraiment bien, malgré tout. On voit absolument pas les menus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun menu Photoshop qui passe. Par contre, on illustre, comme elle est bien composée, bien éclairée, finalement, ça passe super bien. Bah, de toute façon, une bonne image, elle est censée fonctionner même sur l'écran les plus péraves du CRT bien, on est là aujourd'hui. De l'administration pénitentiaire, de je sais pas où, tu vois, donc c'est censé fonctionner partout. Hein. Allez, je vais mettre en densité moyenne. Alors, j'espère que je choque personne aussi avec mes propos dans l'auditoire. Non, écoute, pour l'instant, personne n'a l'air d'être choqué. Il y a pas mal de gens du milieu qui ont vu passer cette histoire. Il y a Comagno qui dit, tiens, d'ailleurs, sur Deviant, pour que tes travaux soient vus, faut payer, sinon certains dessins se retrouvent en avant par rapport à tes créas qui ont été mis en 12e page. D'où ma question, est-ce que toi, t'as payé ? À un moment, oui, mais c'était pas spécialement pour ça. C'était plus pour soutenir le site par rapport à la... Et aussi, surtout, en fait, j'avais des milliers de correspondances et j'arrivais pas à toutes les afficher en même temps. Et j'ai aussi payé parce qu'en fait, DeviantArt, dans la section ressources à stock images, est génial. D'accord. Et l'affichage est beaucoup plus limité quand on n'a pas payé. Donc, de temps en temps, je me prenais un abonnement. Je ne cache pas que là, ces derniers temps, je ne le fais plus. J'ai un abonnement sur ArtStation qui, en clair, même eux l'assument, ne sert à rien. C'est juste pour soutenir le site. Et comme ArtStation m'a ramené énormément de clients, je leur en suis gré. Donc... Enfin, j'hésite pas, c'est comme être sur Tipeee ou ce genre de choses. Il y a des moments aussi sur Internet, je pense qu'il va falloir trouver une économie d'un échange viable. Les gens qu'on apprécie, les services qui sont rendus. Ouais, c'est ce que nous disait ce matin Jean-Baptiste, qui disait bah ouais, moi j'ai des gens qui sont sur le Tipeee et le Patreon, qui sont là pour payer et qui du coup ont accès à des vidéos, à des brushes, à des images, etc. Et en fait, ils les regardent pas, ils les téléchargent pas. Juste, ils aiment bien le taf. Ça leur fait plaisir et du coup c'est une manière de contribuer à la vie de l'artiste, au fait qu'ils continuent dans une direction qui les intéresse, quoi. Je trouve ça assez sympa. Alors j'ai rajouté un tout petit peu de matière là-dessus. Alors clairement on ne sait pas si cette zone allait exposer à la lumière ou non, celle avec le personnage. Alors le personnage, j'ai montré moi une astuce dont je me sers beaucoup. Allez, je vais le booster en lumière. C'est quand même le moment où tu finis ton parcours et t'es au milieu de la montagne. Tu te dis, mais où sont mes immeubles ? Hop. D'accord, ouais, juste en repeignant, en virant le... Voilà, moi j'aime bien les assombrir vers le haut parce que c'est pas que c'est forcément esthétique ni quoi que ce soit, mais ça permet de rapidement rendre anonyme un peu le personnage. Et de plus mettre en avant juste sa silhouette que le reste. Alors là, le chat est en folie hein, sur cette histoire. De quoi ? Ah, sur Terry Goodkind. En même temps, ça a duré quelques jours en plus. Ouais, ça a été fait avec un absence d'élégance. Ouais, mais c'est... Et puis, c'est la magie d'Internet, la magie des réseaux. Où tout le monde s'enflamme sans avoir toute l'histoire, où les mecs se permettent tout sous couvert de toute façon, vous ne viendrez pas chez moi. C'est ça.
Il a très bien réagi en tout cas. Il est vraiment resté calme. Ouais, ça doit pas être facile. Hein. Après, c'est aussi de l'expérience. Je pense que quand t'as déjà vu passer des trucs comme ça, tu te méfies un peu plus aussi des réactions, de la manière dont ça peut être géré. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à un moment. Il avait marqué qu'il remettait pas en cause son travail parce qu'il savait ce qu'il valait dans l'industrie. Ouais, pas remettre en cause son travail, c'est. Tu dois pas. Par rapport à l'histoire. Il savait ce qu'il valait dans l'industrie du travail. Et que c'était dommage, par contre, il s'est arrivé à des gens qui étaient tout jeunes dans le milieu. Parce que ça te pourrait te déstabiliser, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, le fameux rime de lumière derrière. Oui. Pour décoller un petit peu. Enfin, là, je l'ai fait un peu bourrin, c'est un peu dégueulasse. De toute façon, on manque un peu de temps, donc je vais essayer de boucler rapidement. Allez, boucle. Allez, je vais boucler. Alors là, je vais boucler sur le réglage de couleur. Alors, je vais quand même juste un dernier petit détail. Oui. Je vais boucler. Non, mais en fait, non. Je vais pas la finir. Je veux la vendre derrière. Pas vraiment. Non. Je suis le client le moins satisfait du monde. Ben, c'est ça qui est important, c'est d'être son propre client le moins satisfait du monde. C'est avec c'est ça qu'on progresse. Mmh. Faut être un chieur avec soi-même. C'est ça, là je suis satisfait, je vais me coucher. Mais t'as pas fini? Bah non. Il faut arrêter les réseaux pourris, il faut aller sur notre support, c'est gratuit, vous n'êtes plus produit, il faut arrêter les réseaux tout court. Ah, d'accord. Okay. On va partir en discussion politique. En fait. Ouais, c'est ça. Il y a Yojimbe qui dit que c'était un calque en mode masque. Ouais, tout à fait, hein. C'est un masque d'écrétage entre deux calques. C'est la petite flèche sur le côté, vous la voyez pas parce qu'on est en tout petit. Mais voilà, c'est cette petite flèche là. Qui permet justement de peindre sur la forme et pas dans les pixels transparents. Alors voilà. Okay. Oui, là c'est mieux parce qu'on commence à récupérer en fait la lumière qui est en réflexion de tout ça. On imagine la rivière en dessous. Alors, on va faire quelques petits réglages. Alors, je pourrais m'amuser encore à essayer de contrebalancer les tailles et l'épaisseur de chaque calque. On n'a rien à perdre des fois juste à tester une autre compo et à se rendre compte qu'en fait on a des fois un valeur d'échelle qui serait mille fois plus intéressant. Tant pis si on a bien peint le haut de notre montagne et qu'on a passé une heure dessus. Le plus important c'est la compo, vraiment. Et même jouer des fois sur l'écrasement et les valeurs d'échelle comme ça, ça peut être vraiment super intéressant, comme doivent le voir en ce moment les spectateurs du chat. Bon, pour ce coup-là, là, je vais pas m'amuser à essayer de chercher pendant encore une heure quelle serait la meilleure compo. Ouais. Alors, d'ailleurs, tiens, une petite question qui me vient là. Est-ce que ça t'arrive, toi, de prendre tes compos comme ça, avec les nuages, la montagne, plusieurs plans, tout ça, et rejouer derrière en mode After Effects, je fais bouger les plans Oui, ben, ça va être le cas pour notre jeu Forest of Flyers. Enfin, c'est déjà en cours. C'est-à-dire, on est avec une... On fait ça entièrement sur Unity, et toutes les compositions sont animées, où on se balade avec la caméra en zoom, des zooms, travelling. On a même des travelling cyclés, ce genre de choses. C'est un gros plaisir de faire ça, justement, de donner de la vie à ce genre de choses. Après, le problème, c'est qu'il faut vraiment préparer ses calques pour ça. Et des fois, ça peut demander un temps très long de préparation. Alors, dans les derniers réglages, là, je vais faire un calque. Je vais déjà essayer de rajouter un petit peu de densité atmosphérique, pour bien séparer les layers entre eux. Alors, je pourrais me prendre vraiment une brosse nuage là, un peu clair. Pas le lier. Et pour faire passer un petit peu, pour bien rappeler que. Bien rappeler que le premier plan est vraiment un premier plan. Donc. Voilà, je pourrais faire ça avec une brosse nuage, je vais mettre un peu moins d'opacité, avec une couleur un peu plus claire. Histoire de donner aussi un petit peu de la densité atmosphérique à tout ça. Je pense même que peut-être notre montagne qui est derrière pourrait aussi peut-être en bénéficier un petit peu, pour dissocier un peu ce qui se passe là-bas. On revient au fameux sfumato dont tu parlais. C'est ça. Sachant que également, je vais rajouter un calque par-dessus, je vais revenir avec le calque Lighten, éclaircir.
et je vais voir si je peux donner un peu moins de densité à cette montagne pour la faire un peu plus disparaître et remettre en avant le premier plan. C'est-à-dire qu'il faut quand même raisonner que plus on est proche de la caméra, plus on est contrasté, plus on est loin, moins on est contrasté. Ou plus il peut y avoir une dominante de couleur, dans tous les cas. Ensuite, je vais me faire un layer par-dessus, en mode incrustation, qui est le mode overlay, qui est en fait vraiment un de mes calques préférés pour commencer à peindre de la lumière, de la diffusion de la lumière, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire si je veux vraiment un éclat doré sur cette paroi, je vais mettre allez, ouais, à 22% d'opacité d'une brosse assez douce, et je vais venir commencer à peindre une lumière qui vient en fait se diffuser dans l'ombre de cette façon. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un rayonnement de lumière qui vient s'étaler autant d'un point de vue de l'atmosphérique que sur le côté. Donc là, j'y suis allé un peu fort pour que tout le monde puisse voir. Je vais peut-être zoomer d'ailleurs un peu plus pour que ce soit un peu plus clair. Avec et sans l'overlay. Et avec ça, j'ai resupprimé parce que j'ai fait ça un peu comme un bourrin. C'est-à-dire on peut rebooster complètement une ambiance, comme par exemple ce qui va se passer sur ce côté de la montagne. Alors il faut faire gaffe aussi à pas trop aplatir son image, mais si on veut des teintes un peu plus sombres sur les bords, on peut venir choper une teinte assez sombre et commencer à redonner un aspect un peu de vignettage à notre image. Donc ça marche aussi bien pour l'ombre que pour la lumière, ça incruste de la couleur, tout en faisant un petit mélange d'addition. C'est vraiment très intéressant. Je vais rajouter un peu de orange vers là. Un peu de débordement ici, du jaune qui vient frapper notre pic. Un peu plus de bleu dès qu'on redescend dans le bas de l'image. Ok. C'est un travail d'équilibre. Alors après, des fois, on peut même tester avec teinte saturation de faire tourner ces gammes de couleurs pour voir si on trouve pas quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est vraiment pas très beau ou pas très efficace, mais des fois, ça m'a vraiment permis de changer complètement l'ambiance d'une image. Ça m'a donné une amorce, en fait, de me rendre compte, disons, que ce serait quand même vachement mieux une forêt qui tire vers le jaune plutôt que vers le bleu. Mmh. J'ai peut-être rajouté un peu plus de densité de couleurs bleu et violette vers le haut du ciel. Alors là, je commence à tirer peut-être vers des couleurs un peu trop, trop roses. Allez, qui est presque. Mon image manque un peu de vert. Parce qu'on va se faire éjecter, hein. Tu sais, c'est bientôt la nuit ici. Ah ouais, ouais. Alors, il n'y a pas de fenêtre, on est sur un fond vert, personne n'a aucune idée de la couleur, de ce qui se passe derrière, de la lumière. Là, la photo est en train de virer au coucher de soleil, c'est plutôt sympa. Et ça tombe bien parce que dehors, c'est la même chose. Il y a les loups qui hurlent. Alors là, je vais faire une copie avec Fusion. Et je vais peut-être redonner un petit coup de réglage avec la balance des couleurs, avec le remplacement de couleurs surtout. Mmh. Surtout en ce qui concerne les tons sombres. Peut-être que je vais me rendre compte qu'une autre ambiance va pouvoir peut-être ramener une couleur qui n'était pas dans la gamme de couleurs de cette illustration. C'est du test, hein. Vraiment. Peut-être qu'on peut déboucher aussi un petit peu tout ça. Et je vais alors me rendre compte que j'ai pas besoin d'avoir un versant trop sombre. Mmh. Tu vois ? Ouais, ouais, vu que t'as des couleurs super vives, ouais. Qui sont toutes celles qui sont données par le soleil, sur les nuages et tout, qui sont assez superbes, derrière tu peux te permettre d'être un peu moins dense. Et ça c'est un truc qu'on voit beaucoup en photo en fait. Ton œil s'adapte, quel que soit l'endroit où tu regardes l'image, alors que ton appareil photo, il va prendre des valeurs arrêtées complètement fixes. Exactement. T'as toutes les questions de dynamique avec du HDR où tu peux t'amuser à avoir un peu plus de valeur, partir sur du très noir ou du très lumineux, mais globalement, en tant qu'être humain, tu fais l'ajustement au fur et à mesure. T'es capable de voir une clairière très lumineuse et de refaire le focus sur la forêt dans laquelle tu es, très sombre, et de voir les feuilles quand même, alors qu'il faut quand même pas mal d'adaptation. Et là, c'est ce que tu commences à donner, en redonnant du premier plan beaucoup plus net. Et là, je vais utiliser un dernier coup de petite densité
pour quand même concentrer le regard vers la clarté. Alors il y a des discussions dans le chat sur la question d'organisation, sur les calques aussi détourés, la manière dont tu peux t'en servir. Il y a Guillaume qui apprécie le fait qu'avec la perce atmosphérique, tu as juste pu rajouter ton nuage. Tout le monde trouve que c'est impressionnant. Stéphane qui nous fait un petit rappel sur la copie avec fusion, contrôle ou commande mage Alt-E, pour pouvoir récupérer tous les calques d'un coup et en faire un nouveau, et pas avoir perdu tous vos calques derrière. Comagno est content d'avoir passé toute la journée devant les lives d'Adobe. Merci. Allez, dernier réglage. Par contre, il dit au final, pas besoin d'aller à Yamag. Ça sent le mec qui a pas gagné. Ça sent le mec qui a pas gagné sa place et qui arrive après qu'il y ait des plus de billets en vente. Ouais, enfin là, je pense que c'est pas pareil. Hein. C'est même pas 1% de ce que vous pouvez apprendre avec différents artistes. Alors, je vais aller dans la correction sélective. Ça, c'est mes délires de psychopathe, justement. Qui suis capable de passer pendant. De passer, je vais pas faire ça ici, mais. T'as pas le droit, t'as le droit à 1 minute 30. Ouais, ben voilà, c'est mon délire de psychopathe qui passe une heure à essayer de régler les couleurs du mieux possible, et des fois j'ai des bonnes surprises en fait, simplement en faisant des petits tests, en regardant si ça vaut le coup de booster telle ou telle teinte. Et surtout, ça permet aussi de rattraper des images qui commencent à virer vers le canailleux en fait. Allez, on va aller directement dans les gammes un peu plus. Ça, c'est très dur d'attaquer les blancs, les noirs, les gris. Ouais. J'ai pas beaucoup de blancs, j'ai quand même des couleurs assez moyennes. Mais vu que ça va recomposer tout le reste de ton image, c'est vrai que c'est. Je sais que c'est dangereux. Donc, ouais, pour ceux qui cherchent et qui n'arrivent pas à lire le menu parce que c'est écrit tout pourri, c'est correction sélective. Et là, on voit que Sylvain le fait en mode concept art, c'est-à-dire qu'il avance, il ne s'attache pas forcément à l'image en tant que telle, enfin, il faudra qu'elle soit finie et point. Moi, je sais que sur des projets où je ne suis pas le seul décisionnaire sur le rendu de l'image, je vais tout le temps travailler en calque de réglage pour que le mec en face, quand il me dit « ouais, mais en fait, j'aurais aimé moins bleu », ben, je ne sois pas obligé de reprendre... De reprendre et de refabriquer de la matière de pixels là où il n'y en a plus parce qu'on a décidé de la bouger justement. Lucae demande si Sylvain utilise le calque Color Dodge pour les lumières. Jamais, non. Peut-être parce que je ne sais pas m'en servir. Mais c'est ça, je vois même pas ce que c'est Color Dodge. Je dois être. Ah oui, mais oui, non mais en. Il y a un calque qui se ferait pour ça ? D'accord, ok, oui, ok. Ouais, moi je fais du gris, color, du dodge plus, dodge moins, enfin dodge and burn dessus. Mais le color dodge, j'avais jamais fait gaffe. Mais c'est, attends, si, c'est la technique de Bastien, ça. Bastien ? Ouais, c'est Bastien qui jouait beaucoup sur des trucs comme ça. Ross, je sais pas aussi. D'accord. Tu utilises beaucoup ? Tiens, on n'avait pas sauvegardé. Ah. Sérieux ? Oui. Mais on n'en a pas parlé tout à l'heure. Si, on a dû sauvegarder l'arbre. Tu sais, à la fin, tu fermes la séance et tu fais qu'est-ce qu'on a gardé ? Non, on a gardé l'arbre. Celui-là, j'avais pas sauvegardé. On a gardé l'arbre du début, vous l'avez bien aimé. Hop. Je me demande d'ailleurs si on gardera le visuel Forest of Liars ou si on mettra ça comme vignette pour la session. Punaise, c'est super. Enfin, pardon. Excusez-moi, c'est le mec content. Ouais, c'est bien. Non, on a dit pas plus d'une minute trente. C'est fini. Et voilà. Bah écoute, merci. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 8 longues heures de live, à peu près. Merci à tous d'avoir tenu le cap de « on a du mal à recopier l'écran ». Maintenant, ça y est, on y est. Fusion incrustation, 50% de gris, Stéphane. Ouais, tout à fait. Voilà. Allez, baisse un peu la tablette, comme ça je nous remets en plus grand. C'était une très chouette séance. Je crois pas qu'on voit mes yeux, ils sont tout rouges, hein, je pense. Ouais, bah écoute, va falloir, ça fait un peu partie du truc. C'était une formidable séance avec vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges, à la fois sur le milieu. Beaucoup de problèmes techniques. Beaucoup de problèmes techniques, mais tu vois, 2 heures après, je les ai oubliés, les problèmes techniques. Tout va bien, j'espère. Je vous remettrai, pour ceux qui arrivent après, hein, dans la description, tous les liens. Sylvain, on va se voir sur Yamag, forcément. Ouais. Tu vas beaucoup parler de Forest of Liars là-bas ? En anglais. En anglais. C'est très en anglais. Ça va être la partie, ouais. La partie amusante. Vous l'avez apprécié en français ? C'est presque un show comique. Je vais essayer même de faire des blagues en anglais.
Donc ce sera complètement méta. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire les blagues en anglais? Je le tente. De toute façon, ça les fait rire parce que soit c'est ridicule, soit la blague est drôle. Donc, ouais, soit c'est ok. Soit ils ont rien compris et culturellement les gens rigolent. Ben écoutez, merci à tous. Merci à Stéphane d'avoir tenu le rythme sur la modération. Merci à Cassis pour les petits commentaires. À Bastien qui nous a bien aidé, dont on a mis les liens. À Marlène qu'on va retrouver demain. Voilà, parce qu'elle a gagné. Alors il y a Marlène du fond que vous voyez pas. Vous la verrez demain si vous venez à Yamag. Merci à Marlène qui a gagné aujourd'hui son ticket. Ce fut un plaisir. Merci, bravo. Merci à tous. Hein. Je relis le chat pour ceux qui auraient oublié qu'on pouvait le voir. Jusqu'il y a 3 jours, on pouvait pas voir tous les commentaires du chat en regardant la vidéo. Ah ouais? Ouais. Du coup, c'était assez frustrant. Maintenant, on peut. Ça veut dire que toutes les bêtises restent. Et à très bientôt. Donc, on va terminer cette session. Bonne fin de journée à tous. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup.